De quoi la Shinkai, ça fait peur. Bonsoir. Oh putain, t'as mis du coca partout. Mais mec. Attends. Oh putain, on a même pas pris. Ouais, du PQ. Non mais tu fais toi. Mais mec. Mais c'est pas possible. Mon écran. Ah ça va, il va coller. Attends, vire ça. Non, il colle pas, il y a pas de sucre. C'est bon, justement ça va nettoyer. Il est sur le micro aussi. Oh, ASMR. Ça, ah, mais t'en as mis sur l'autre écran, mais comment t'as fait? Tiens, prends le PQ. Ouais, file-moi le PQ. Ah, du PQ. C'est bon, il a été utilisé. Bonsoir, ça va? Nous c'est chaud un peu, mais sinon ça va. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Est-ce que vous avez passé? On est quel jour? On est mercredi. Bon, c'est le milieu de la semaine. On est jeudi? Non, on est mercredi. Non, mercredi. C'est mercredi. Non, mais c'est vraiment une merde. Et c'est toi la vie active normalement en plus. Hein. Oh merde. Il est cadre, je vous rappelle. Pas encore. Du coup, et ce soir, chapitre 6 de l'horrible octobre. Bonjour Ru, bonjour Pounz, I love you. Pourquoi la caisse elle est passée à 99K? Parce qu'il faut la mériter, l'autruche. Donc ouais, avant d'en parler 99K. Avant d'en parler ce soir, chapitre 6 de l'horrible octobre, on va faire du Moons of Madness, qui est un jeu, un FPS je crois, horreur, et qui est dans la même ambiance, enfin dans le même univers que The Secret World. Et c'est pour ça qu'on voulait le montrer. Oui, tu te souviens pas en fait? Non, absolument. En fait il m'a demandé 6 fois ce qu'on faisait ce soir. Je lui ai répondu à chaque fois mais il s'en souvient pas. Et sinon et ensuite, Forbidden Siren. Forbidden Siren 2, que moi je connais pas et que Adou ne connaît pas non plus. Donc ça va être. Mais que Pounz connaît. Mais que Pounz connaît parfaitement. Oui. Un Pounz. Oui, c'est mon jeu préféré. Oui. Et bah tu joueras. Tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ça ou Endless Ocean? Les deux. Faudrait faire jouer Momo à Endless Ocean. Franchement, ouais. Franchement, tu pourrais. Et du coup, pour 99 bits, qu'est-ce qu'on a droit? Pour 4. C'est pas des bits, hein. C'est des points de chaîne. C'est gratos, ouais, c'est vrai, je vous rappelle. Vous pouvez nous faire lâcher une caisse sur. Nous faire castrer chimiquement sur commande. Nous faire lâcher une caisse sur commande. Et j'ai mis ça tout à l'heure parce que j'avais pas l'autre idée. Et j'ai appelé ça les points Godwin. On peut aussi foutre des illustrations, mais j'ai eu énormément la flemme de le faire avant le stream. Donc on verra si on le fait plus tard. Mais au moins pour 99 999 points de chaîne, vous pouvez nous faire lâcher les caisses qui seront lâchées par soit Pounz, soit Paco. Un Paco! Ce chien est décédé. Bon bah ça sera Pounz. Et bah écoute, ce sera Pounz les caisses, allez c'est parti. Bref, bah écoute, on va passer au jeu direct. Du coup, je vois quoi? Tac, on joue. Eh, franchement, hein, je vais commencer par retirer tes organes. Voilà. Tac, gaming, oh, et c'est type. Merci. Ah, c'est toi qui l'as fait? Chut. C'est pas si bien que ça. Mais on n'est pas un peu pas assez dans le noir? Tu veux qu'on. Bah, éteins la lumière. Ouais, voilà, on n'est pas du tout dans le noir. Ouais, mais en plus, tu veux pas te lever pour aller éteindre la cuisine? Si. Non, parce que, enfin, si on. Oh, il m'a regardé avec des yeux pleins de peur et de crainte. Mais non, mais sinon, c'est pas drôle, quoi. Ce sera la première à crier. Eh oh! Sauf qu'on réussit à nous rater tout dans le cul. Ouais. Dailymotion vient de donner 1€ à Doom. C'est quand que tu reviens faire des vidéos de Project Zero? C'est marrant, on regardait ça il y a 10 minutes. Ouais, on était en train d'en parler. Et d'ailleurs, moi, je comptais faire des Fright Friday sur Project Zero 2, justement. Tu vas faire ça? Je te l'ai dit. Mec, je vais péter un plomb. La police Man of Medan, c'est vrai, c'est la même. Y a pas un potentiomètre là-dessus? Non, un potentiomètre. Des formations professionnelles. Dit un boui-boui. Il dit un potentiomètre. Donc bref, EDF. Non, oui, Friday, ce sera sur. Oui, sur Project Zero, ce sera pas des vidéos. Mais Iron Rain, oui, ce sera sur YouTube. Ce sera une vraie vidéo, ce sera pas un stream. On en fait plus des vidéos. Bah si. Pas beaucoup. Bah pas beaucoup, mais justement, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de corriger. Ouais, les nouvelles parties, c'est parti. J'ai pas regardé la cinématique du début et je vais augmenter le son de notre côté d'ailleurs, histoire que ça nous gueule un peu dans l'oreille. Les dons. D'ailleurs, merci Dailymotion pour les 1€, on a pas dit. Non, mais, je reviendrai pas chez toi. Histoire que les dons, etc. et les subs nous gueulent dans l'oreille. C'est l'univers de Secret World. Bah, apparemment, ça se passe. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Sur la lune. Ce serait pas le site des dragons, ça? Non, c'est un carré moche. Ou alors des Templiers, non? Ou c'est quoi? C'est un vagin de côté. C'est un truc qui sort d'un vagin. C'est un peu faible. Non, c'est fort, mais c'est juste que la radio est faible. Oh là là, ok. C'est Racine qui joue. Hein.
C'est moi qui joue pour l'instant, on se passera la manette, je pense. Non. Pour la... Prise de conscience. Ça... Oh là là. Oui, c'est très Alien Isolation, en fait. C'est totalement Alien Isolation. Est-ce qu'ils ont pas l'air ultra doux, par contre, les draps, là? Oh. Non, non, ils ont... ça a l'air du poussière. Ouais, moi, je dors pas là-dessus. Hein. Tu crois que ça crisse quand oh, tu... Oh, regarde, on peut les voir dehors. Dehors. Oh. Home à 77,5 000 km. Il a ciblé la Terre. Phobos sur Doom. Et Deimos. Doom aussi. Et Bitos. Et là... Et là... Tout doux. Turn off sprinklers, oxygénérateur... Comme des cons à se rapprocher de l'écran parce qu'on voit pas. Et tune biogage. Ok, d'accord, ça marche. C'est marrant, il s'est fait des petits, un petit plan en fait. Chess wins. Oh, et Declan, c'est qui Declan? C'est un robot. Declan, c'est ça, c'est marqué ça, Declan, oui. Ouais. Il a gagné. Il a gagné contre un robot 4 fois. Non, j'ai, deux, j'ai anticipé, je sais pas si c'est un robot. Oui, ça se trouve, c'est pas un robot. J'ai le jeu chez moi, mais... Bref. Attends, là on est chez nous, c'est marrant. Cher papa, j'ai déjà réécrit cette lettre. Excuse-moi pour maman. 50 mois. Je réécrirai certainement. J'étais pas sûr qu'elle soit morte. Elle était d'accord. J'aimerais que tu m'entendes. J'espère que tu nous pardonneras. Je sais que tu m'aimes. Amen. Spiritus Rex. Ok. D'accord. Pour l'instant, on s'en bat les couilles. Bon, ça va. On est quand même bien on est bien immergé dans le personnage parce que lui aussi, c'est une déception pour son père. Donc on est tranquille. Oh, j'adore les poules. Oh, la porte blindée. Bah, okay. Ouais. J'ai eu un énorme frisson quand non, même. Moi je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de contexte pour que ça me fasse peur encore. Est-ce que c'est normal qu'il y ait quelqu'un ou pas en fait? Il s'appelle Chené. Ah, effectivement. Ça c'est flippant. Quoi? Qui a fait ce bruit? Quel bruit? Le. C'est il entend des bruits. J'ai rien entendu moi. Bah, dans mon oreille gauche, il y a quelque chose qui a fait un bruit. Ah, bah non. Ah bon? Non, mais t'étais tout seul. Bah attends, mais. T'es sûr? Ah t'es... non, c'est mon cul! C'est mon cul sur le ciel! Mais putain, mais c'est pas possible! Oui, c'est ça! J'arrive à le reproduire! Ah, y'a que lui! Y'a que lui, mais définitivement! Mais en plus, ça m'accuse! T'as vu comment il est un peu. Bah oui, mais c'était ma fesse gauche! Alors, diagnostic: décédé? Solar panel cleanup, de clan. J'adore quand c'est en haute résolution le décor. Pourquoi y'a. Je sais pas. T'as vu le petit effet? Il a travers un masque ou... Mais oui, il a un effet de vignettage en fait, vignetting, et je sais pas. Oui, regarde, oui, on voit son côté, ouais. C'est on voit que ça fond à moitié, je sais pas si c'est à travers un masque ou quoi. Moi je suis au courant quand je fais du bruit avec mon cul. Donc normalement, il y a une navette qui doit venir chez nous, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le délirium. On est lâché là-dedans sans le moindre... sans le moindre contest. Oh, c'est bon. C'est clair. C'est un épisode de Love, Death and Robots. Lisez le chat parce que je sais pas si je... Oh là là, j'adore l'effet de lumière. Il est beau, oh. Ça arrive, t'inquiète. Jésus? Jésus les écrans plats? Tu crois qu'il y a Jésus dans l'espace? Oh. Mais tu peux pas avoir peur quand tu sais pas ce qui se passe. Si. Merci Hunter pour le resub avec Prime. Merci beaucoup mec. Oui, du coup, 22e mois. Vous l'avez pas? Ah si, vous l'avez sur ça le chat. Ça fait très mal aux yeux. Oui, mais j'étais en train d'essayer de faire une crise d'épilepsie à nos viewers en fait. Je fais ce que je peux. Mais il s'est passé quoi? Je sais pas. Mais écoute, je sais pas, mec. Curieusement, en fait, mais comme ça inquiète pas notre personnage, je me dis que c'est normal. On dirait la corruption, justement, qu'il y a dans The Secret World, en fait. Mais est-ce qu'on est censé avoir joué à The Secret World pour comprendre ça? Non, j'espère pas, quand même. Putain, par contre, c'est... Moi, c'est vrai, on dirait vraiment la corruption. Ah... Sinon, ah, mais il y a... Tu peux encore faire demi-tour. Hein. Ouais, on peut retourner dormir, au pire. Ouais. C'est quoi? Mais pourquoi il y a des langues? Regarde, pourquoi il y a une grosse langue, là? Ah, mais c'est dégueulasse. Vas-y, touche la langue. C'est pas censé bouger? Ouais, vas-y, avance. Tu veux pas plutôt retourner, tu sais, dans le plaid qui avait l'air tout doux là? Ah, il en a du temps. Dans le plaid en polystyrène? Oui. Tu crois qu'on sera mieux dans le plaid en polystyrène? Moi je préfère. Il y a une Russienne qui a eu très très peur. Mais évidemment, j'ai eu peur, je suis humain, connard. Il y a que toi, t'es un cyborg. En plus, j'étais même pas tourné dans le. En plus, c'est super long pour se retourner. Attends. Est-ce que je peux changer ça parce que c'est... Arrête. Tu me fais peur. T'as la sensibilité de la... Ouais, mais c'est la souris, mais... Ah, t'as vu, les cœurs de Vandale. Que des bâtards de barbares. Attends, fais voir si je peux faire la commande. Que des, wow. Que des fils de pute de barbares. Scruter, scanner le périmètre, sprinter. J'ai un sprint. C'est mauvais, ça, quand on a un sprint en général, non? Il marche pas, c'est d'autant plus mauvais. Oui. Ça veut dire que mon perso est en plus... Con. Oui. Non, mais vas-y pas. Ça dit quoi sur le chat, là? À part se foutre de ma gueule. Ils disent merde.
Très bien. Russienne qui a peur d'une simple langue en plus d'être obèse et polonais. Franchement, c'est pas de ma faute. Que tu sois polonais. Ouais. Mais qu'est-ce que... On dirait ma chambre. Ouf. Ah. De loin. Ah. Il y a un petit truc qui grogne. Il y a un aborigène qui joue du djiridou. Ah. Oh, c'est trop bien. Ouais. Oui, c'est pas forcément ce que j'aurais utilisé, mais... Il y a un truc au fond, là. C'est des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux pas rester avec les fleurs. Mange-le. Sois une torture. J'espère qu'on peut pas se cacher dedans. Non. Ah. Bonsoir, j'avais envie de vous faire pleurer cordialement. Merci, connard. Alors, où est-ce qu'on peut voir Baby Face Go? Ouais, ici, là. Gentil, Baby Face Go. Merci, BG. Merci, mec. Merci beaucoup. Pff, je sursaute à chaque fois, par contre, je pense que je vais pas tenir le coup. Non, donc ça, non, ici. Toi, lentement. Mais c'est... J'ai pas de... Oula, non. J'ai peur, hein. Je peux pas me retourner rapidement, en fait. Ah, t'as vu la batterie de ta... Ah, mais c'est ça. T'as vu la batterie de ta lampe torche? J'ai pas de batterie de lampe torche. Si, tu l'as pas eu? Ah bon? C'est ta quête, hein. Non. ça me ferait plus chier qu'autre chose, en fait, je t'avoue. Tu peux taper avec. Okay. Tu les aurais pas baissés, Richard? Ah non, elles sont toujours à fond, ce qu'il y a. Sauf que moi, j'ai réglé mon volume. Bitch. On a des nouvelles de Polyon, d'ailleurs. Bah, depuis hier soir, non. apparemment, il s'est enfui en Corrèze. En Corrèze, ouais, en Chili. Hein. Pour essayer de survivre. Oh, lolo. Ça me fait penser à la Forest. On est déjà sur la planète, en fait. Oui, t'es sur la Lune. Enfin sur le, oui, pas trop m'avancer, mais... Sur le corps... Mais il n'y a rien sur la Lune. Mais je trouve que ça manque vachement de contexte. Ils disent pas ce qu'on... Je sais pas ce qui se passe. Peut-être... On sait même pas peut-être qui nous sommes. Mais écoute, est-ce que tu sais qui tu es IRL aussi? C'est ça qui est important, mec. Ça te refait reconsidérer tout, hein. Pourquoi il y a de la foufoune partout? Ça, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est un bordel à Bangkok, ou quoi? Ah. Ça, qu'est-ce qu'il a sur son bras? Je sais pas. Il a un truc, ça, c'est pas bien, on ça. On dirait un verre. Ah, oh, bah putain, oui, peut-être. Ouais, c'est un parasite, peut-être. Mais non, c'est les deux ronds qui. C'était le logo du jeu, en fait. Il y avait un truc qui a couru ouais, aussi, ouais, là. Je préfère un parasite. Moi. Et tu vois, c'est ça, en fait. C'est le logo que j'ai là, mais je l'ai sur. Et le mec se pose pas de questions, quoi. Mais il s'en pose pas. Et tout à l'heure, il était face à la grosse verdure, là. Il a mis 2 minutes avant de dire. Que c'était pas une grosse verdure, c'était une foufoune, je te l'ai déjà dit. Ah. Ma lampe torche, elle marche plus, par contre. T'as peur? Et je suis très très lent. T'as peur? Bah, elle a dit qu'il faut que je souffle les bougies, mais c'est pour mon anniversaire. Ah, comme moi tout à l'heure. Mais c'est vraiment extrêmement bâtard. C'est un peu naze, surtout. Mais. Mais mec, attends, c'est quoi ce jeu de pute là? Genre, regarde là-bas, bouh. Je t'ai bien eu. Ok, donc c'est bon, et là maintenant on est tranquille. Là on est sur la Lune. Ok, c'est et là maintenant je peux... Attends, je regarde d'abord. Je regarde d'abord l'intérieur. Ah, il ouais, y avait un code derrière. Chose. Oh, c'est le phare dans Annihilation. Il est fou ce mec. Je peux pas 0509, vous retenez 0509 0323. C'est ça, c'est le phare d'Annihilation. C'était un peu pauvre, bah oui, le flic du début était un peu faux. C'était peu carrément pauvre. C'est moi, c'est Shan. Shadok. Apparemment je suis à la Jeannerie. Et bah écoute. Putain, level 1 surtout. Oh la merde. Putain, y'a trop de trucs à ramasser. Bah y'a beaucoup de choses, c'est quoi ça? Ça va encore ton... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un bout de viande lunaire. C'est non, c'est un caillou. Je crois que c'est un caillou. On regarde derrière. Je peux pas. Est-ce que j'ai tombé par terre? Je peux pas. Je suis désolé. Oula, pourquoi il a reposé sur le bord comme ça? Mais il était déjà sur le bord de base. Ah bon? Ouais. Oh, comment c'est scripté? Je peux pas regarder plus. Tu peux le mettre sur ta chaîne. Regarde les rats, le chat. Oui, c'est des enfoirés. Regarde le chat. Attends, ah oui, là on voit un peu là. Alors on voit la Lune. Et puis c'est tout en fait. Y'a pas grand chose sur la Lune à faire. On voit du sable et c'est tout quoi. T'as plein de pays au monde où t'as du sable. Ouais, mais est-ce que t'as envie d'y aller? Alors, lire. Ça fait j'ai encore six mois pas mal de temps. Merci, ça Erso. Ça fait déjà 6 mois que j'essaie bon. D'écrire cette lettre. Merci mais beaucoup, mec. Je n'ai pas sa dernière version. Mais j'ai encore pas de mal. Encore pas mal de temps avant de pouvoir te l'envoyer. Putain, j'ai du mal. Je vais être franc, je ne suis pas en Antarctique. Cette expédition n'existe pas, en tout cas. Je n'en fais pas partie. Je suis allé un peu plus loin, jusqu'à Mars. Ah, c'est pas la Lune. Ah, on est sur Mars. C'est la Mars. J'espère que tu pourras me padronner. Je n'ai pas l'intention de mentir, mais mes employeurs prennent la confidentialité très au sérieux. En fait, on se sera sûrement déjà revus quand ils m'autorisent à t'envoyer ça. Je tiens. Du coup, pour la petite anecdote, le jeu se passe bien dans l'univers secret. D'accord, ok. Bon, bah, c'est cool. Je tiens à ce que ce soit moi qui te l'apprenne. Je veux que tu saches que je t'aime. Ce que je veux vraiment te dire, c'est... Fais les pieds en bas. Ah bon, mais non.
Ah merde. I really want to tell you. Il a pas fini. Skip it. Ouais, c'est pas. Il a pas fini en fait. Alors c'est quoi? Allez, c'est parti. On va acquérir un peu. 0,5, 25, c'est ça? J'ai oublié. 0,9. Non, 0,5, 0,9. 0,5, 0,9. 1, 2, 3, 4. Yes! Alors, notez que mise à jour sécurité sera implémentée demain. Ok. Marquez le code pour ne pas le perdre. Il est où? Si, c'est les dragons, je t'ai bien dit! Ouais, c'est pareil. C'est la troisième faction! Non, c'est les Illuminati. Mais non! Mais bien sûr que non! Programmation du réseau solaire! Salut champion, ouais. Ah, c'est ton énergie préférée en plus. Wilcox, il a monté le CDC dormir putain ce matin. Et c'est aussi les Van Buren, ça on s'en fout. C'est... Donc il y a une sortie, c'est ça? Il y a une sortie jusqu'au site de Cyrano. Et Cyrano, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure sur avec le... Un gros nez, ouais. Que dis-je, une péninsule? Ah mais c'est la Mars! Salut, The Clan, tu trouves aucune info pour résoudre le problème de code à niveau solaire? Ouais, ça on s'en fout. Votre ADN a été mis à jour. De quoi? AND, votre AND. De quoi? Merci de vous connecter au plus tôt pour le consulter. Ces gogoles avec leur écran incurvé, ça me trigger. Mec, Chubby, il est sur un Warpath, je sais pas pourquoi. J'adore les écrans incurvés. Mais surtout que bah celui-là, il est con en fait, cet écran incurvé, parce que enfin, c'est très technique, très mécanique. Non, mais c'est juste que notre champ de vision est très limité actuellement. Pour jouer, c'est pété un peu ça. Comme ça, c'est mieux. Mais c'est encore pire. Ah voilà. 0595, faut pas oublier. Attends, je vais ranger mon lit. Tac. Wow. Mais fais-le avant. Ah. Quel gougnafier. Donc on n'est pas sur la Lune. Si... Bah non, on est sur Mars. Bah je crois. Bah elle a dit c'est marqué Phobos et Deimos, et je crois que c'est des lunes de Mars, Phobos et Deimos. Alors en fait je suis con. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était les lunes normales. Pourquoi le jeu s'appelle Moon Mekui? On n'a pas de lune Mekui. Mais de... Poutine. Poutine matinale, non. La bonne Poutine matinale. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Docteur Volkova, quoi? Ah, cool, la base pour moi tout seul. Yes, je vais pouvoir passer une bonne journée. Pouvoir me branler dans la cuisine. Et m'essuyer avec le sopalin. Tu vois, il y a des mots, c'est faux, boss. Je pense. Ouais, c'est pareil. Ok. Balade-toi. Et moi, je suis affecté au clean-up du sonar panel. Tu m'as invité pour nettoyer des panneaux solaires. Bah quoi, tu voulais faire quoi d'autre? Rester chez toi et te branler sur une pizza? Vendu. C'est quoi ça? Have you seen the... Witch. Witch. Ah, witch. C'était celle qui nous a violé dans le sommeil, ah, peut-être. Ah, c'est la pute du début. Ne pas utiliser des marqueurs permanents. Sans déconner. Et j'ai compris l'anglais. Regarde les petits cactus. Les cactus. Tu peux les prendre c'est avec pas toi. Des cactus. Non, c'est une plante grasse. Ah là, les petits cactus. C'est une plante grasse. Mais je les aime pas trop, les cactus niqués comme ça. J'aime ceux qui font une petite teubie comme ça. Là. Oui, ça c'est rigolo. Tu mets des couilles après en post-it. Personne n'a fait ça. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Personne. Oui, je préfère la plante là. Et moi, je préfère ça, moi. Donc, ça, c'est Cyrano, c'est ce qui va arriver. Interagir. Ok, c'est un énorme gamin, le mec. Non. Eh, hey, mais mec. Tu peux les ramasser? Oh, s'il te plaît, dis-moi que oui. Non. Je peux refaire un petit coup? Mec, j'espère vraiment que personne le voit parce que c'est la honte de ouf. Il est pas tout seul dans le truc? Si, si, je crois qu'il est tout seul, ouais. Ah, ça sûr? Mais tu sais pas s'ils ont un système de caméra, peut-être. Power Core Chewed. Ina is one of your specimens loose. Et j'imagine que c'est des petits rats. Des petits rats de l'opéra, qui rôdent l'apéro. C'est quoi ça? Oh là là. Un truc qui est dangereux. En tant que membre de l'équipe Invictus et employé de Manticore Orochi, les dragons, vous devez impérativement respecter certains protocoles de sécurité. Toute installation Orochi, y compris cette base martienne, est divisée en zones d'accréditation. Les secteurs ne sont pas tous accessibles à l'ensemble, à l'ensemble des employés. Votre badge porte un chiffre reflétant votre niveau d'accréditation. Il est nécessaire pour ouvrir les portes, accéder au secteur et utiliser les terminaux. Ouais, c'est Metal Gear. N'essayez pas, faut la refroidir dans un truc. On envoie un mail. Invictusecurity@orochigroup.com, tu veux? Vas-y. On envoie un mail. Qu'est-ce qu'on met dans le mail? Franchement, je sais. Merde, il est où? Là. Merde, mais il est où mon navigateur? Il est dans ton cul! J'ai plus de navigateur! Si, reclique dessus. Ah non, mais c'est pas celui-là que je voulais. Attends. Je veux l'autre. On leur envoie quoi? On leur envoie. Une photo de toi, du Free Hong Kong! C'est quoi? Invictus. Security. Security. Orochi. Group.com. Merde. Free Hong Kong. Et dans le message, tu mets... C'est une blague. Free médicament pour la bite. Mexican doctor. Very good. Free Hong Kong. Mais Free Palestine. Is shit. Free Palestine. Overwatch égale
fag. Yes, c'est envoyé. Voilà, on est des vrais, on est des vrais activistes. On a fait notre part du marché. Allez, c'est parti. Pour la liberté. Cassons-nous. Donc c'est juste ça à savoir. En gros, notre badge a une certaine valeur et on peut accéder à certains trucs avec lui et certains trucs pas du tout. Et si tu casses la vitre? Je sais pas. J'imagine que c'est ça l'épaisseur du truc, non? Ouais, c'est pas mal. Non, ou alors c'est deux couches plus. Je sais pas s'il y a beaucoup de pression atmosphérique, s'ils ont besoin vraiment. On va aller dehors par contre. Oh bah oui, bah. Ah, avec une jauge d'oxygène! On doit aller. Donc c'est le seul truc qui t'inquiète, c'est l'éclairage? Bah déjà, et puis ça c'est quoi? Pourquoi il y a du caca partout là? Désolé. Oh, des petites tomates! Oh, on va aller se les mettre dans le nez! Non! Non, non. Seuls les cons font ça! Ouais. Oh, regarde! On dirait chez moi! Une petite gym! En plus grand. Ils ont quoi? Ils ont pas beaucoup d'haltères. Ah, mais ils ont des haltères en caoutchouc, et ça c'est cool! Ça, quand elles tombent, elles éclatent pas. Voilà. C'est quoi? C'est 20 kilos, ça? 10 ou 20. C'est les disques de 20 kilos, c'est, ça? C'est du 20, ça. Et un petit tapis de course! Un tapis elliptique! Un tapis incurvé! Tu peux aller super vite avec ça. C'est vrai? Bah, c'est pas limité, y a pas de moteur. Ouais, mais super vite. Bah, tu montes à 20 km/h avec ça. Ouais, mais sur place, du coup, ça sert à rien. Mais c'est un tapis dans, de course. Dans un référentiel terrien. Alors, vas-y, fais voir, qu'est-ce qu'on a là? tout le monde a penché la tête, mec. Je suis sûr que surtout tout le monde sur le chat aussi, ils ont tous ouvert, penché la tête. Salut Funé, ça va, mec? Bonjour Funé. J'ai vu plein de canards tout à l'heure, Funé. Intuitive, survivre, survive until dawn. Stalker? Stalker? Attends. Si, c'est marqué Stalker. Si, c'est Stalker, ouais. Mais c'est un mec qui suit une gonzesse plus que des gars dans une zone. Honnêtement. Y'a rien. Forgotten Soldier. 29 Funny Stories, y'a rien de ouf en fait. Ouais, ils ont deux fois le même livre. Piquant and Spicy Recipes. Ouh, des Matryoshka. Vas-y, chante Babushka. Source Code. C'est pas un film, avec la ça. La police d'écriture du Clean Coder. C'est un film avec Jay Gyllenhaal. Source Code. Oblivion. C'est encore les mêmes livres. Legends of Jazz. Ok, Dictator and Joker. C'était bien Joker, hein, Poons? Oui. En plus, pour la troisième fois que tu l'as vu, t'as même pas pleuré. Je préfère jouer non. À Super. Moi, j'ai failli, mais ça allait. Bon, en même temps, c'est bon, je veux pas chialer à chaque fois. Ouais, c'est bah, pourquoi pas. Je suis viril, moi. Alors, Poons a la voix cassée. D'habitude, elle sonne... c'est pas une camionneuse, mais là, j'avoue un petit peu quand même. Non, mais c'est qu'en fait, déjà, ce week-end, j'avais absolument plus de voix et je pouvais plus du tout parler. Mais bien bichonné. Plus du tout, vraiment plus du tout ouais. Parler. J'étais impressionnant, mec. Du coup... Je vais pas trop parler putain, ce soir. Putain, au boulot ce midi, il y a un mec chelou qui a fait la blague bombe atomique sur l'Afrique. Oh yes. J'avais beaucoup faim, funérailles. Je... Vous êtes bien bijolé. Ok, donc ça c'est les photos d'identité, c'est ça? Et donc ça c'est machine et machin. Et pour l'instant, il y a une caisse qui est tombée. Il y a un pion qui est tombé. Oh, ça veut dire que c'est du foreshadowing. C'est-à-dire que le pion il est en marche, dit. Système de ventilation martien. Tu penses que le mec il lit ça? Oh, c'est joli. En dehors, on s'en fout. Tu peux pas non, mais regarde la vue qu'on a, on est bien là avec non, les petites contre, tomates. T'imagines, tu prends ton petit café ici, t'écoutes du Luis Gilberto? Gilberto. Oh, du café. Oh, des trucs à moudre. Mais c'est quoi? Il y a du muesli. Oh, des oh, fruits oh, non, moi, ça, tu me donnes celle-là. Je veux pas la bouffe du chien. Non, je veux celle-là, moi. Les petits rouges, les petits donuts. J'en veux. Eh, mec, c'est des Golden Grams, ça par contre. Non. Low and dark roast coffee. Mais encore ça. Mais c'est quoi? Qui c'est qui fait chier avec la witch? Ah, c'est lui. C'est The Clown. C'est l'air d'être un gros fils de pute. Wampa, oh l'espèce de bâtard. Wesh, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bonsoir les amis et Poons. Quel enculé. Ah, il doit y avoir un match algérien, yes. Je pense, parce qu'il y a des klaxons. Ou alors des gilets jaunes. Y a pas un match avec l'Algérie ce soir? Vous entendez? Oh, bah oui. Yes. Alors, aussi, à côté de chez moi, ils font des road rage. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein. Alors, attends, on prend quoi, les œufs, les bacon ou le porridge? Ouais, les deux. Sérieux? C'est quoi cette merde? Oh, on dirait un poisson pané. Ouais. C'est un genre... On dirait le truc que j'ai mis dans la bouteille de mon voisin. Bah, un poisson pané au petit-déj, ça va, franchement, non? Franchement, ouais. C'est quoi, les noirs, là? Bah, c'est un pop comme un autre. Mais non, bravo! Ah, mais non, mais... Bravo! Bravo! Mais non, c'est qu'il y a un emballage. Ça va, j'avais pas vu. J'ai pas vu que c'était pas animé. C'est quoi, les noirs, là? Oh, du café! Et bah voilà! Oh la oui! On va se mettre. Un sandwich! Allez! Je veux. Ah bah on peut pas choisir notre type de café? Un Twix! Je voulais un Twix! Mais c'est du chocolat chaud ça! Ah oui, ouais, c'est pour un café ça! Tu peux le mettre par terre? Oh
Oh la vache, et Yon, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie le matin. Oh, la gorge profonde. Hop, ouais, c'est bon. J'aurais pu me faire un deuxième. À chaque fois qu'il pose un truc sur un meuble, t'as l'impression qu'il va tomber. Ouais, ouais, non, mais oui. Peut-être qu'il aime vivre dans l'urgence aussi. Hein. J'ai pas lu. Ah. Ok. Oh. Oh, Rabbit Boy. Oh, ça c'est le futur, ça. L'enregistroscope. Ok. Donc il faut aller au labo récupérer le Robocop là. Poisson pané au matin, ça va, c'est pas comme mon grand-père qui faisait des sardines dans le café dès qu'il est au bled. Il est français ton grand-père ? C'est où le bled ? Que j'y aille pas. C'est la France profonde. Regarde, regarde, il y a même des, y a un genre de... Ah t'as vu, tu vois les lunes ? Non. Bah si, les lunes. Ah si ? Et peut-être le soleil. Ça c'est le soleil, non ? Oui, c'est le soleil. Et ça c'est... T'en connais un autre de... Phobos ? Tu connais une autre étoile dans le système solaire ? C'est pas la Terre, je t'écoute pas parce que tu es en train de m'humilier là. c'est Phobos ça, non ? Si la Terre, on la verrait peut-être de plus grand, non ? Je sais pas. Non, quoi que... Cabossé un peu. Oui, mais bah, je me disais, la... hey, tu ne le shame pas sur la forme de sa terre, ok ? Le vrai français. Les sardines dans le café, c'est vrai que c'est un peu raide. Par contre, les chaussures ont pas l'air super confortables. Oh, si, dans Retour vers le futur. Ouais, oui, ouais, qui se sert automatiquement là ? Oui. Ok, Research Lab, il faut que j'aille au Research Lab. Petite tomate. En vrai, Spider, je serais une des fois où Spider m'a fait le plus rire, c'était quand on était au McDo. Je m'en doutais. Qu'on avait une conversation super, super profonde sur je sais plus quoi. Et en fait, on n'avait pas remarqué que depuis le début de la conversation, il avait le coude sur la table et il tenait une tomate. Genre une tranche de tomate. Ouais. On se retourne vers lui, il se retourne vers la tomate, il se retourne vers nous. Petite tomate. Ah, c'était. C'est pas au Seven ? C'était. Non, c'était au McDo à côté du ciné. Petite tomate. C'est quoi ici ? Ça, c'est de l'isolation, ça ? Ouais. Bah, c'est un peu le bordel, c'est-à-dire que bah, déjà, c'est de la botanie théorie, donc. Ah, mais attends, on est passé par là tout à l'heure. À droite, il y avait la grosse langue. Ah, j'entendais. Oula ! Il y avait la grosse langue ! Ah, ouais, le mec, il a fait des rêves prémonitoires. Hein. Oh, bizarre ! Tiens, tiens, tiens ! J'ai pas mon pied de biche, mais il doit être ici. J'ai roté sur Ocean. Ouais, oh la vache. Ça sent le coca et les Pringles. Y'a un reste de Pringles. Allez. Ah bah là, je peux sprinter. Ah, t'as pas le droit de sprinter dans les rêves. Ah d'accord. C'est l'inverse de IRL. C'est comme ça qu'on ouvre une porte c'est bloquée. C'est pas comme ça qu'on ouvre une porte bloquée. Ok, y'a trois genres de moon QTE. Of mais madness. Ah, mais ça peut être la moon de Mars. La moon de Mars. Bah ça peut être. Ça peut être Phobos quoi. Faut que je trouve mon bioscope. Ça, ça ressemble à quoi un bioscope? Bah c'est un magasin. Putain. Il est content. Ça y est, il est content. C'est ça mon bioscope? Oui, ça a l'air d'être mon bioscope. Ah oui, c'est un Pip-Boy en fait, c'est vraiment poussé, tourné. C'est un peu galère ce truc. Blip. Il doit y avoir un système. Ah, il faut que je le reset. Attends. Oh là là, d'accord, donc ça je peux pas le faire tout seul, il faut que je trouve un petit outil. Qui se trouve, je sais quoi. Voilà. Ceci est un... Un truc long et fin, genre un... Bah, voilà, c'est bon. Tu vas trop vite. Mais mec, je suis en train de speedrun le jeu. C'est moi, ça ? Ça va, je suis plutôt beau gosse. Redémarrer. Je vois pas, je peux pas zoomer sur le... Ah, d'accord, ok. Y'a quelqu'un qui m'a demandé de vous défoncer, je fais quoi ? De qui ? C'est qui a dit ça ? Ah, c'est Arterus. C'est oh l'enculé, pourquoi il est hostile d'un coup, cet enculé, là ? Mais écoute, je sais pas. 70 BPM. Peut-être il vous en veut. Il est calme, hein. Alors, donc du coup, je peux scanner l'environnement. Ouh, et bah voilà, génial, voilà ma vision d'aigle. Ok, le meilleur scan. Ah, oh, il y a les battements de ton cœur, j'aime pas. Ça va être bien, ça. Non, moi, je suis sûr que ça va être super marrant. Non, mais non. Oh, j'adore cet écran. Oh, c'est un écran transparent parce que c'est le futur et du coup, tout le monde a le droit de voir ce que tu fais sur ton écran. Et du coup, qu'est-ce que je suis censé foutre ? Tu réactives quelque chose. Ah, me connecter. Ah, il faut que je me connecte au serveur. Le système de redémarrer, oui, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Ah. Et la lumière fuste. Ah, t'as vu au-dessus. C'est un dôme. Ouh. Ah oui, c'est très joli, en fait. Et ici, il y a des petits... piloter le Meerkat. Oh, mec. On va y avoir des choses. Ah, il y a eu un petit séisme, en fait. C'est pour ça que tu t'es tombé. Il y a des séismes sur Mars. Bah oui. Tonton. Il y a des plaques tectoniques sur Mars. Ah, t'as vu, le caillou à droite. Ah. On entend le chien qui ronfle. Ah, ok.
Analyse des échantillons du secteur 1 à 15. Mais c'est écrit bien plus de trucs. Oui, c'est surtout pas écrit ça. Mais c'est en première ligne. Ah, c'est parce que non, c'est parce que j'ai pas lu le bon côté, voilà. Ah, en traditionnel, concernant notre collecte d'échantillons dans la cadre de la recherche de preuves de vie de microbiennes sur la planète Mars. Ah, c'est ça qu'ils font ici en fait. La règle de 2 est un concept intéressant. Quand nous découvrons un phénomène unique dans le cosmos, il est considéré comme une anomalie. Mais compte tenu de l'immensité de l'univers, il suffit de trouver un deuxième exemple de ce phénomène. Putain, j'arrive pas à le prononcer. Pour conclure qu'il en existe des millions. Voire des milliards d'autres. Pour l'instant, la vie n'a été observée que sur Terre, c'est une simple anomalie. Mais il nous suffirait d'en trouver juste une autre, quelle que soit sa forme, même des microbes primitifs, même des fossiles de microbes morts il y a des milliards d'années. Cette découverte marquerait l'avènement d'un univers débordant de vie. Tout ce qu'on doit faire, c'est arriver à deux. C'est très, très badant. Ouais, c'est triste un peu. Ouais. C'est quoi, c'est Sagan qui avait dit soit il y a de la vie dans l'univers, soit il y en a pas, et dans les deux cas c'est la merde. Enfin, il a pas dit exactement comme ça, mais. Mais si, il avait un peu bu. Il était au bar. Alors la vie c'est une chienne. Salope. Mais il est peut-être dans l'univers. Donc là on y est. C'est notre pamphlet. Il y a trop de trucs à lire. What is Invictus? C'est un groupe. Pourquoi des private space travel? Parce que ça vaut cher. Pourquoi explorer les étoiles? Parce que pour trouver de l'argent. What is Orochi Group? C'est les dragons dans l'autre jeu. Voilà. On n'a pas fait. Bah quand même. On a jusqu'à l'Egypte. Hein. Moi j'avais fait un perso dragon. Ah le chien. Et j'étais pas allé jusqu'à l'Egypte. C'est quoi ça? Tu crois qu'il y a des infos à tirer? Ah, c'est une NDA. Bon, on s'en fout. C'est une NDA et en gros, il doit y avoir des trucs. Oh, un écran vert! Mars n'existe pas! Salut tout le monde! Faux! C'est quoi ça? C'est encore une NDA? Yon, c'est incroyable ce qu'on doit signer dans cette connerie là. C'est quoi? Ah, c'est un script. Base d'antique journée, secteur ingénieur. Mais ils font un petit film en fait. Salutations depuis le pôle sud! Je suis le commandant Josie Wilcox du. Coxis quoi? Du poste antarctique Z17. Nous sommes ici pour étudier la croissance végétale dans les pires conditions terrestres. Écoulement glaciaire. Un littoral gelé surplombant plusieurs écoulements glaciaires. Des manchots s'agitent au milieu des vagues, des lapins et des manchots qui baisent. Près de l'eau, admire la beauté du paysage. Comme vous pouvez le voir, c'est la période de reproduction des manchots. Fais le manchot qui baise. Alors on reçoit toutes sortes de visiteurs ici. Un manchot se se jette dans le courant depuis la droite. Ce petit gars est un manchot à jugulaire. Même si son espèce reste prospère, son habitat naturel est de plus en plus menacé. Eh bien, tu m'en diras des nouvelles. Il avait qu'à être menaçant. Manticore. Waouh. Merci, stupéflip. Y'a quoi ici? J'ai rien loupé, je venais de là. On peut pas prendre. On peut pas prendre ça là pour toujours. Ouais. Je peux pas utiliser. Vas-y, mets tes jambes dedans. Et tu fais peur au monstre qui te suit. Il se dit que t'es attardé, du coup t'es tranquille. T'as pas un escalier là pour monter à l'échelle? Mais surtout j'ai pas une carte. J'ai pas une carte. Est-ce qu'on a pas une genre dans les étages là. Ou quoi? Bah je sais pas. On a jamais vu des manchots se branler, c'est que t'as mal regardé Jean-Jean. C'est le problème du manchot en fait. Ouais, c'est marrant parce que tu vois le menu en fait il est très classique, très... C'est Dark Souls. Et finalement, quand t'es dans le jeu et quand tu regardes par exemple ta connerie là, c'est très futur. Surtout l'inspection des documents. Futur singulier quoi, ouais. Ok, ici y'a rien, mais c'est joli quand même. Y'a un petit côté. En plus, c'est les quoi, mecs. C'est zoom. Ils boivent leur petit. C'est pour scruter. Mais les gens peuvent pas faire de zoom dans la vie. Bah si, quand tu fais comme ça. On l'a tous fait. C'est des cookies là, par exemple, y'a des petits caca. Non, t'es sûr que c'est pas des petits cafés ça? Des cafés instant? Non, on dirait des petites, les petites truffes au chocolat. Non, des petites truffes au chocolat, j'allais dire. Ouais. C'est peut-être, après, c'est peut-être du caca, mais non, mais dites pas ça. Rigolez pas, il a peut-être raison. C'est quoi ça? Putain, t'as vu ta main gauche. On voit les bras. On voit les pieds. Oh, ça, c'est un sprint, ça. Et on, elle va pas trop vite, hein, speed racer. Il y avait encore une sorcière. Quoi? C'était pas une sorcière sur la table? J'ai pas vu. Non. Touchoun oui, Touchstone. Non, Touchoun. C'est pas la meuf qui est avec nous en stream ça? Bonjour Tutun. Je viens de comprendre. C'est joli Mars quand même. Mais y'a rien sur Mars. Il y a du sable et des cailloux. Il est pas censé y avoir forcément quelque chose pour que ce soit joli. Regarde l'intérieur de ta tête. Oh Brrr. T'as dit que je suis joli. Il est mignon hein. Il est mignon. PD. J'adore les truffes au chocolat. Dis ce qu'il y a d'une façon très... Ouais, il a pas dit j'adore, il a dit j'adore. J'adore les truffes au chocolat. Il a dit de la façon très spartiate en fait. Je peux prendre une petite tomate? Non, je viens d'ici, non? Sauvegarde automatique. Est-ce que je viens d'ici? Ils mangent que des tomates ou... Des tomates et du café en fait. Les mecs ils doivent ouais, chier ça. En spray mon gars à longueur de journée. Ils doivent s'amuser à mettre ça dans le nez. Ça m'étonnerait. Qui serait assez con pour faire ça? Ce serait pas ma chambre ici? Oulo. Au moins ouais, sur Mars, il n'y a pas de double voie réservée aux trottinettes. Tu crois? Il sable des cailloux, je pourrais jouer pendant 10 semaines. Faudrait une petite piscine.
Oui, on dirait un casque. Je voulais finir une phrase, mais j'ai oublié. Arrête. Oh putain. Vas-y, va dehors. Il est con, celui-là. Oh, il a pas remis au même endroit. Ça me fait non, mais c'est moi. C'est moi qui fais une connerie, là. T'as que 20% d'oxygène. Hein. Floup. Mais c'est bon, je vais pouvoir améliorer la Ryan. Oh, vas-y, remplis-toi. J'imagine que ça, c'est pour faire le plein d'air. Remplis-toi. Vu que c'est marqué faire le plein d'air. Je pense que ce jeu en VR doit être assez ouf, par contre. Oh, c'est pas mal. Eh, c'est bien foutu, non? Aïe, aïe, aïe. C'est bien fait, non? Ouais, ça doit être stressant quand t'as un monstre qui tue. Non. Oh non. Vas-y, sors. Pourquoi tu dis des choses comme ça aussi? Allez, c'est parti. Oh, la porte blindée. J'ai trop envie de voir dehors. Oh, la porte blindée. Moi, je vais aller dehors depuis tout à l'heure, là. Allez, voyons voir. Oh, oh, c'est beau. Oh, j'adore ça. Waouh. On va croiser Matt Damon. Qui chie dans des pommes de terre ou je sais pas quoi. Oh, j'ai rappelé le petit jeu qui se passait sur Mars. Voilà. Qui était vu à la troisième personne et tu découvrais que les soviétiques étaient déjà allés sur Mars il y a une trentaine d'années. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Raid quelque chose, je crois d'ailleurs. Tu te rendais compte qu'il y avait une espèce extraterrestre qui ressemble à des grosses girafes, je sais. C'était vraiment génial. Je me souviens pas du reste, je me souviens juste des... Évidemment que c'est vide, espèce de con, c'est Mars. Si Delanoé devient maire de Mars, faut s'attendre à avoir des Mars plages en été et un morceau extraterrestre qui te vendrait des t-shirts trois manches floqués truands de l'espace. Oh, les truands de l'espace, je suis chaud, mec. C'est ça le meerkat, je crois, non? Oh, il y avait un truc. Poussé. Blip. Oh, mec, de ouf. Trop bien. Tirer et pousser. Je sais pas. Tu crois que ça sent bon? Tu crois qu'ils mettent de l'oxygène avec des goûts? Ah non, j'ai encore Guanis. Écoute, passe ta gueule, j'aime bien. Si un jour j'ouvre un kebab, j'appelle ça les truands de la galette. C'est marrant, ça. Ah, nous y voilà. Les truands de la pita. Je peux poser mon petit cax, je peux pas poser mon cax. C'est pas grave, et ben on va conduire quand même. Attends, parce que ça se trouve, je peux. Une fois XCAD, on a joué à un jeu qui se passe dans l'espace, et on est tous morts dans nos combinaisons parce qu'il y avait pas d'apport d'oxygène, du coup on s'étouffait dans nos combinaisons. Mais non. Alors que l'atmosphère était parfaitement respirable. Gros débile là. Genre, ah merde, je suis en train de mourir. Ouh. Allez au réseau. Oh là. Ok. Est-ce qu'on dit bien ou pas? Ouais. À la vitesse d'un truc sur Mars. Ben on est pas rendu quoi. Ah, mais je crois. Ça le fait tout seul ou quoi? Ça le fait tout seul, ouais, ça le fait tout seul. Cinématique. Je pensais que le jeu allait être fun. Non, c'est pas dans Space Engineers, non. Mais en fait, c'est les critiques que j'ai entendues, c'est que le début est long, en fait. C'est ce que je me disais, pour l'instant, c'est un peu... Bah, c'est routinier, quoi. Enfin, même le tout au début, là, avec la merde, là. Je trouve ça bizarre. Merde. Avec la Vitch. Ah, lui aussi, il fait des rêves bizarres de clown. Du coup, ils sont où? Ils sont dans... Les mecs à qui tu parles sont dans d'autres stations plus loin? Je sais pas. Faut leur demander. Ça se trouve, ils n'existent pas, ils sont dans ta caisse. En fait, ils découvrent à la fin que les systèmes de communication ne fonctionnent pas. Non, c'était pas dans Space Engineer, c'était dans un autre jeu, la con. Il était chiant en plus. Oula, d'accord, mais on peut pas avoir la suite de la conversation, ou pire, connard. Putain, vas-y, moi je voulais rouler sur la planète. Rouler sur la planète. Oh la pauvre. On a fait la même chose en Irak. Vitesse, non. C'est vrai qu'on a roulé dessus. C'est Jill King, ça va, mec? Pourquoi ils ont mis les panneaux solaires super loin? Bah, t'as pas envie d'être à côté, toi, quand même? J'ai pas envie d'être. Énergie solaire. Arrête à lire le courant. C'est vrai que je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là, peut-être que c'est plus proche de l'équateur? Non, ou le contraire, justement, d'un pôle? Non, mais t'es sur Mars. Et alors? T'es déjà très proche du soleil! Bah oui, mais faut quand même qu'il y ait de l'exposition. C'est ça le problème. Sinon, c'est pas pilotable. Mais c'est pas pilotable, c'est une énergie fatale. Je le lance pas, vous inquiétez pas, je le lance pas. Il est lancé. La RTE, dans ses bulletins prévisionnels de production, ne prend pas en compte les énergies fatales. Voilà. Arrête. Heureusement que j'étais assis, bien sûr. Ok, ça marche pas? Il a dit quoi, que ça marchait pas l'ascenseur? J'ai pas suivi, putain. Bah, tu montes. Ok. Ah, pas de courant, oui, bah oui, bien sûr. Mais évidemment, ils sont débranchés. Pourquoi tu cries? C'est okay. Gentil d'avoir fait un truc au cas où il n'y a plus de courant. Donc en gros, faut que je rallume parce qu'il y a la navette qui va arriver et puis rien de préparé quoi. Le soir, tu peux quand même y aller parce qu'il n'y a pas de courant et tu peux y aller en marchant. C'est l'avenir. Et puis là, pour la marée motrice, ça force le béton.
Faudrait mettre des éoliennes sur Mars pour avoir du courant en permanence. Attends, j'insère ma batterie, y'a pas de batterie. Battery! Oh, d'ailleurs, c'est joli un petit champ de. De panneaux solaires, non? Oh, il va falloir que je me biocope la tronche. Tu sais qu'un panneau solaire, faut le nettoyer avec de l'eau parce qu'il réceptionne la poussière et du coup ils se mettent à chauffer et à exploser. Ouais, ça je savais par contre. Alors c'est qui les nettoie là? Bah c'est moi. C'est la fête. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais ouais, oh, Napoléon. Il manque plein de panneaux solaires en fait. Ouais. Salut les Loupio, pardon pour le retard, je mangeais les bons plats que ma maman a fait. Oh, trop bien. Il a mangé sa mère. Quel pédé. C'est quoi qu'elle a préparé? Tu peux nous enfiler un peu? Ah, une station d'air. Nice. J'ai mangé un kebab. Pour ta mère? Le vrai mec. Putain, si ma mère faisait des kebabs, ce serait trop cool. C'est comme les kebabs. Vous avez déjà goûté des kebabs gastronomiques? Parce que tu sais, il y a des restos comme ça où ils font des assiettes kebab, tu vois. Et parce que toi, t'as mais, été? Non, justement, je voulais vous demander pour savoir, parce que j'ai jamais fait ça, moi. Non, non. Je suis sûr c'est bon, en vrai. Bon, c'est quoi, commande de... J'allais dire commande de kebab. Oh. Ok. Oula. Ah, et justement, il faut... Ah, faut changer la rotation. Faut pas se faire tout seul. Oh, de la merde, hein, ce panneau solaire, là. Ah, là je suis optimal. Attends, on va se foutre à 100% quand même, faut déconner. Merde. 4,7 kW. Mettez une centrale. Vous avez pas vu les didascalies avec, mais il a pris son gobelet, enfin sa canette, de manière tellement chevaleresque, il a même plus de coca dedans. C'est avec beaucoup d'emphase. Leur base martienne moins performante qu'un tournesol. C'est vrai qu'il manque un bout là. Ah oui, ça va être chiant là. Il y a un gros problème lui. Il fait chier avec cette putain de witch là. The Vivitch, comme on dit. Qui était plutôt un bon film. Il était sympa comme film. Comme Jérusalem avec un Z. On l'a ensemble. Oui. Ok, tac, on se fait 83. Merde. Un peu plus. Voilà, on est optimal. Et optimal, ça va reprendre combien? 4,4 kW, c'est ça? 4,6 kW heure. C'est des kilowatts. Kilowattheure, c'est une autre mesure. Oui, j'imagine. Kilowatt, ouais. Est une puissance. On dit que le kilowattheure est une unité de production. Mets ma main dans ton cul. Ok. Du coup, quand on te dit qu'on a produit des kilowatts, faut rigoler très fort. C'est bon, je l'ai là. Ouais, c'est bon, tu l'as. Ok. Thanks. Yeah. Il a un problème, Lucas, là, depuis le début, j'ai l'impression. Même Declan, il disait que Lucas, il est con. Enfin, il a pas dit, mais... Ok, donc, attends, faut que je trouve une batterie supplémentaire pour régler le dernier panneau solaire, là. J'ai combien de niveau d'oxygène? 84. J'imagine qu'il faut pas que je sprinte trop, non? Ce que je suis en train de faire depuis le début. Parce que tu utilises plus d'oxygène quand tu sprintes? Bah, j'imagine, ouais. Enfin, après, tu redescends, puis tu le recharges, hein. C'est pas loin. C'est très pragmatique, ce que tu dis, là. Bah non, mais c'est pas loin. Sauf si tu meurs avant. Voilà. On est quand même dans le futur, on n'arrive pas à faire des bonbonnes d'air qui durent plus de 15 minutes. 15 minutes et encore t'es gentil mec, dans 5 minutes là, je suis une biscotte hein. Une biscotte sur Mars, t'es con, y'a pas de confiture. J'espère que vous l'avez entendu ça, parce que c'était le truc le plus intelligent qu'il est sorti ce soir. Hein. Pas trop d'euros. Ah ça, ils sont en train de parler de dessert. C'est quoi leur table de dessert là? Avec Spectre qui... Ah t'es trop nul. Alors attends, c'est quoi ça? Mec, on a entendu son sourire. Ah, il est comme ça. Il est nature. Attends, faudrait peut-être que je me remette un peu d'oxygène. Non, c'est bon, j'en ai encore 75%. Par contre, je vais péflier parce que ça, j'aime pas les pourcentages d'oxygène. Parce que ça me fait penser à un timer et j'ai la phobie des timers. Faut faire comme dans le film Gravity, Lucienne, tes 5% d'oxygène restant vont durer 1h30. Avec Sandra Bullock qui fait pendant 1h30 et ça pose pas vraiment de soucis en fait. Il m'avait stressé ce film en plus, putain. En plus, je veux pas dire, mais ça descend vite. Hein. Bah, assez, ouais. En vrai, assez, hein. Oh, je peux me connecter à ça? Putain, mais d'accord, boy. Démarrer le moteur. Bah, oui, Simir, connard. Putain, mais attends, mais ils ont combien de batteries là? Wow. Qu'est-ce que c'est? Regarde, si c'est pas joli. Y'a un petit côté Nord-Pas-de-Calais, non? Trouve pas?
cause des cailloux. Ouais, on dirait Tournai. Ou la Désolation. On dirait Roubaix. Il y a eu un problème avec la porte ou c'est moi qui ai pas bien regardé? Non, j'ai pas fait. Non, je crois que c'est moi qui ai regardé le chat, moi j'ai pas vu. Non, c'est bon, je suis con, Tu fais comme dans Sun sur Mars, tu chies dans des patates et ça en fait d'autres, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Non, mais moi non plus, Poléon, j'ai juste vu Matt Damon chier dans un champ de patates. Sun sur Mars. Vieux? C'est un vieux film. Seul sur Attends, Mars? Ah non, je confonds avec l'autre. Un autre truc sur Mars. Il est 2017? Non, qu'est-ce que j'ai pas dépressurisé! J'ai pas dépressurisé! Merde! Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon! C'est bon, t'as de l'oxygène! Attends, t'as vraiment un truc à faire ou c'est juste qu'il pète un câble? Il faut que je dépressurise. Là! Qui est quoi? Voilà, j'ai toujours en atmosphère externe! Et tu noteras que le mec ne sait pas retenir sa respiration plus de 3 secondes. Non, pas j'étais bien foutu parce que ça a foutu de la glace sur le. Ouais, sur ça t'a fait peur tout. Surtout. C'était pas mal. Non, mais oui, c'était cool! C'était marrant! C'est vrai que nous devons avoir. Il a eu peur. Rossiane a eu très très peur. Il a fait un. Non, j'ai sursauté, j'ai pas eu il peur. Il a fait un. J'ai pas. Tu crois que j'ai fait ça? Oui. Alors, très bon ralenti de Dugarry. Y a pas une batterie ici là? Mais attends, mais ils ont qu'une batterie pour tout le complexe ouais, ou quoi? Comme dit Meridje. C'est sûrement la pression en fait qui t'a fait voir du sang dans tes yeux. Oui, certainement, ouais. Oui, enfin, plus, tu vois plus. Pas vraiment le sang, mais. C'est un genre. Ça dépend. Ah oui, c'est un hologramme ça. Un portable hologramme. Ruru qui a peur de l'air, quelle fiotte. Moi, j'ai pas peur de donner mon vrai pseudo, espèce de pélé. Ouais. Alors, on en est où, là? Après 133 sols, la mission principale est un succès. Nous avons localisé un gisement potentiel d'eau glacée à 36,8 km à l'est d'ici. L'équipage du Cyrano en sera informé dès qu'il sera à portée. Les recherches sont en cours. Donc, ils sont toujours en approche, en fait, les mecs. Ça fait maintenant 2 ans. Mais tu sais que le fait que ce soit une sorte de sorcière bizarre, ça me fait moins peur que si c'est un truc plus terre-à-terre. Bah toi qui aimes bien Blair Witch... Blair Witch en particulier, mais là je sais pas, ça... Mais ça se trouve c'est terre-à-terre, hein. Ça me fait pas peur encore. Ça se trouve c'est terre-à-terre et c'est nous qui sommes en train de... Certes... Mais putain, mais attends, il faut que je la trouve où cette batterie, c'est incroyable. Elle est pas là en fait, non plus. T'as pas une autre porte? Bah non, il y a que cette porte-là. J'ai l'impression qu'il va falloir que je... Il fallait bien que t'ailles là. Oui, mais j'ai pas regardé s'il fallait que t'ailles là en fait. Mais en fait, je sais pas non plus s'il faut que j'aille là. Mais je pense qu'il fallait que je vienne là après avoir trouvé la batterie en fait. À mon avis. Pas ton casque. Tu peux sortir sans ton casque? Bah j'imagine que oui, mais je vais claquer quoi. Moi je veux bien. Hein. Peut-être que ça va faire un truc comme dans avec Schwarzenegger. Avec les yeux qui. Total Recall. Ah, oui. Total Recall. J'adore cette porte. Équipe de Pardieu en approche. Lol, Cyrano, t'as compris? où est-ce que je pourrais trouver une batterie? Parce que même le truc là, même le véhicule, il y a pas de batterie. Et qu'est-ce qu'il foutait? C'est un truc d'excavation en fait ça? Bah on dirait ça. Oui ça. Ah oui carrément même. C'est oui pour carrément. Creuser. Un truc pour creuser. Un truc pour creuser, ouais. Comme c'est on ça. Dit dans le milieu. Ouais, comme disent les experts. Non, je pense qu'il va falloir que je remonte ici, que je remonte là. Non, tu tires un câble depuis les panneaux solaires. Et t'attends qu'il fasse jour. Regarde le passif agressif là de merde. Quel enculé ce gars. Aucun respect hein, pour le futur. Pour l'énergie T'as une batterie en bas de l'ascenseur apparemment. Qui va nous sauver. Quoi? Bah je sais pas, y'a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une batterie en bas de l'ascenseur. La batterie de l'ascenseur, tu la prends, tu l'utilises. Ça dans ma tête c'est ce qu'on appelle une idée de merde. Non? Parce qu'elle est où la batterie de l'ascenseur? Elle est en bas de l'ascenseur du coup? Ouais mais si la sorcière elle est en bas de l'ascenseur, comment on fait pour s'enfuir vite et monter tu vois? T'es sur Mars du coup, bah, dans une direction. Ah oui, c'en est une de batterie là. C'est dans, comment ça s'appelle déjà le jeu, il y a plein de batteries, un jeu qui est d'horreur. Merde. Dans un vaisseau, avec un cutter. Dead Space. Ah Dead Space, ah oui ouais c'est vrai, dans des batteries. Tu fais que ça dans Dead Space, non, mais juste tester ce qu'on fait là. Flouplouk. Oh ça a l'air super satisfaisant à faire par contre. Faut faire quoi après? Hop, ensuite on se connecte. Blip, lap, blip. Démarre le moteur. Fais un test. Rien qui marche. Attends, la batterie. Faut peut-être l'allumer. Faut souffler. Faut souffler sur la batterie. Il veut pas? Il y avait un truc recherche en cours. Hein. Oui, parce qu'en fait, en gros, ouais, là je fais un scan. T'avais pas besoin d'une batterie dans le bunker? Si, mais je veux voir si je peux pas me connecter au. Il marche pas en fait ce truc là. T'as un problème sur le moteur. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pété, ouais. Il est pété! C'est arrivé un truc! Fais gaffe, t'as plus d'oxygène. Waouh! Quel connard! C'était quoi? Comment il s'appelle déjà le jeu auquel il a joué Scad sous la mer là?
Subnautica? Non, il a pas joué à ça. Mais si, je passe à travers la porte en fait, à chaque fois que je viens là. Hop, on pressurise. Tu vas niquer la batterie, dit Waffalo. Tu vois une niquer la batterie? Narcosis. Narcosis, ouais, c'est ça. Avec les, les crime tram. D'accord. Et c'est pareil, il y avait une jauge d'oxygène. Les crime tram, ouais. Attention, ouais, ça fait peur. Ah bah non. Et du coup, il était bien à l'extérieur, le mec. Enfin, notre witch, notre hallucination. Bleu. Tu crois que tu peux mettre ta bite? Mais c'est fake. Tu crois que tu peux? Tu peux mettre ton zizi? C'est marrant. C'est encore verrouillé. Non mais tu sais que c'est verrouillé, alors pourquoi tu testes? Qu'est-ce qui se passe? Scan négatif. Faut que tu sortes. Bah c'est complètement con, ils m'ont dit. Attends. Ah, je peux peut-être d'ouvrir d'ici, non? Hey, Devin, regarde. Balance ton mot de passe. Voilà. Voilà. N'oublie pas de prendre la batterie quand tu te barres. Mais il y a quoi d'autre à faire du coup, Babyface Gaufre? Bah, il faut réaligner encore. Regarde, tu vois, il faut réaligner le troisième panneau solaire. Ah, donc c'est ouvert maintenant. C'est, j'aime pas quand il. Ah, bah voilà, il y a une vraie batterie encore ici. Enfin, oh, des toilettes! Enfin... Non, c'est. Je reconnais pas trop. Les toilettes du futur! Mec, c'est un bol. Je suis sûr que tu peux manger dedans. Regarde, est-ce que c'est pas stylé les robinets du futur? C'est pas pourquoi ils ont changé le design. On était très contents avec un. Douche. Oh, elle a l'air bien cette douche du futur. Ouais. On est très content d'avoir des lavabos en rond, mais ils ont dit que dans le futur c'était triangulaire. C'est un bol à pinot. Ils ont encore des gobelets en plastique, hein, donc je veux pas dire, mais. En vrai, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si t'as réparé ton bol? Non, j'ai pas encore réparé mon bol à pinot. Regarde, mais il y a pas. Là, il y en a un bien là de bol à pinot. Je l'ai refait tomber. Et c'est quoi? Rinseless Toothpaste. Ah oui, c'est un dentifrice sec. Je savais pas que ça existait, mais. Oula, y a pas la même animation. Et hop. Explorer sans doche. Donc ça, c'est. Oh, attention, attention, de la peur, maintenant! Mais en plus, il ouvre dans le mauvais sens, il rentre à travers la porte, cet abruti! Il est complètement con ou quoi? Je peux pas la récupérer du coup, celle-là? Non, c'en est une autre. Après, je m'en fous, je me prends les deux! Combien de batteries dans ton sac? Je m'en bats les couilles, je suis immortel! Hop, on prend ça. On peut prendre les deux casques? En fait, le jeu est basé sur quelle mécanique pour faire peur? Parce que bon, là, je me dis que tu joues un aficionado des énergies fossiles et que la mécanique de peur est basée sur la manipulation d'énergie verte. Bah, je crois que c'est ça. Non, mais il va y avoir des jumpscares après. C'est du greenwashing. Il va y avoir du jumpscare après avec ça, des. Par contre, c'est long, c'est très long à mettre en place. C'est ce qu'il disait dans les critiques, ouais. Moi, je m'y attendais. Maintenant, ça fait 50 minutes qu'on y est. On va sur Forbidden Siren? Non. Bah tu vois, il aurait fallu que les trucs chelous, ça commence il y a quoi, il y a 10 minutes, 15 minutes quand même, quoi. Bah en fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le rêve, et tout en essayant de nous foutre un genre de routine, tu vois. Enfin, mais le truc, c'est qu'au début, t'as pas vraiment peur, parce que, enfin, comme dit Adun, tu sais pas vraiment ce qui se passe, du coup, t'es pas encore moi, dedans, pas parce que ça t'arrive début. Dans la gueule directe, quoi. Bah, le mec, il voit des choses, il réagit pas, pour moi, c'est normal. Enfin, t'as pas eu le temps de te poser dans le décor, donc du coup, t'as... Ah, moi, ça m'a surpris, mais oui, c'est vrai, mais vous avez raison, ça a pas fait peur. Des grosses fougères, le mec, il réagit pas, bon, bah, ce qui est l'habitude de voir des grosses fougères. Je sais pas si c'est les grosses fougères qui dérangent le plus. Oui, bah ça va, c'est bon, waouh, la vache. Il me casse tous les couilles, là, c'est incroyable. C'était lui qui manquait, non? Ouais, c'est lui qui manquait. C'est quoi qui brille? Ah oui, c'est les petites bougies décoratives, c'est pour ça. Ça fait déjà 3 heures qu'elles sont là-bas. Hein. Oui, mais je sais pas, je les ai pas vues depuis tout à l'heure, et en fait, j'avais la grosse tête d'Adouim à côté. Donc, voilà, on va se collecter là-dessus. Putain. On va faire un petit. Oh, ouais, ça va, oh. Oh, les deux là. Gna gna, le jeu il est long, gna 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 gna. Et bah écoute, ça c'est Mars, d'accord? Mars c'est long. Non mais en fait moi ça me gênerait moins s'il n'y avait pas eu la phase en fait du rêve au début. Genre, ah non ça frise un truc nul. En gros juste si tu commençais à faire ton truc routinier et que petit à petit il y avait des trucs. Mais même si ça mettait du temps ça me gênerait moins. Que là en fait tu t'attends vraiment à un truc un peu plus ouais. Qui te vient dans la gueule quoi. Parce que avec ce que t'as vu au début et en fait non. Enfin ça met grave du temps. Bah ouais, je sais pas, j'imagine que ça va peut-être commencer à péter un plomb à partir de dans pas longtemps quand même. Parce que ça fait un moment qu'on est en train de faire de la merde. J'avais une troisième batterie, j'avais une... Ah non, une deuxième. Non, il y a que deux, ouais. Ah oui, faut peut-être que je la vire. Surtout que c'est chiant. Ah par contre, ça aurait été des... Mais tire un câble d'un panneau. Une multiprise. Un enrouleur. Une multiprise en cascade. Ça, c'est que plus ultra. Je pense que je peux la retirer de ça, maintenant. Et la foutre là-bas. Attends, il y a un truc à droite. Ah, tu l'as fait. C'est quoi, ça? Oui, non, c'est... Non, c'était pour l'activer, je pense, là. Oui, c'est bon, c'est... Oh, en fait, c'est tu juste peux pour mettre faire... tes petits doigts. C'est marrant. T'imagines, ça. La witch elle passe derrière, elle fait. J'ai des relais. C'est quoi ça? Ah bah voilà, bah c'est bon. Et bah écoute, on va prendre ça, on se casse.
Activez le relais. Et salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, comment ça va? Alors, cette vidéo, je vais vous montrer ma routine du matin. Alors, je me lève à 7h, Martienne, il fait moins 56 degrés dehors. Donc, je mets mon manteau. Et puis là, ma copine, elle chante le générique de Pokémon et chie à coup. Et après, on vient de me voler pour la 6ème fois de la semaine. Je me fais cambrioler ma porte d'entrée, ça fait chier. Et après, il y a le fisc qui va me faire chier. Et là, je suis ruiné. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu te mets à enculer? Ah non, mais remarque, non, je m'en fous, non? Bah non. Je sais pas, c'est ça le relais? Je sais pas ce que je suis en train de foutre. Non, mais attends, mais non. J'ai aucune idée que tu branles, de ce que tu branles. Je suis très content que tu joues. Mais honnêtement, je sais pas si. Mais t'as encore jamais été là-bas, non? Bah, bon, si, en fait, véhicule. C'est juste l'ascenseur. Ah oui, si, non, mais c'est bon, en fait, j'ai réorienté les trucs, c'est bon, c'est tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut que. Il y a pas le bon nombre de batteries. Je sais pas. C'est pour rendre le truc un peu plus. Du coup, je suis parti sur marche pour pas qu'il me trouve. Et ça, les 25 degrés, rare, c'est marqué 25 degrés en bas à droite, mais j'imagine que c'est dans ma tenue et c'est pas dehors. Je sais pas. Parce que 25 degrés sur Mars, c'est quand même un jour tranquille. Hein. Tac, allez hop. Mais c'est marrant ce système. Pour l'instant, moi, le jeu me dérange pas trop. Tiens, je vais me recharger avant. Mais j'avoue qu'il est long, mais j'ai. Je suis allergique à Mars. Mais j'aime bien tous les systèmes du jeu en fait, je trouve ça assez immersif. Après, je joue à la manette, donc c'est peut-être pas non plus très très évident. Ouais, mais ça va devenir marrant quand on va te courir après. Il faudra que tu fasses. Oh putain, faut que je joue la porte. Oh putain, faut que je la referme. Oh putain, j'enlève le gaz. Ça, c'est pas grave. Ah, ça me fait penser à Riddick, le premier. Pitch Black. Oui, ouais. Tu vois, un monstre à la Pitch Black, moi ça me ferait plus peur. Une sorte de nuée, de petit truc qui va vite et qui te mordit. Et qui peut bouffer l'acier. Mais c'est bon, mais ils sont bons les sonar panels. Tu vas me faire chier combien de temps avec tes putains de panneaux solaires? Et j'ai dit que c'était chiant un panneau solaire. Putain! Bon, je crois qu'il faut les réactiver derrière. Ou un truc comme ça. C'est ça le plus chiant, c'est que quand t'oublies un truc. Bah t'es obligé de te retaper toutes les belles animations sur lesquelles les mecs ils ont bossé les semaines, mais ça fait chier quoi. Et bah tu sais quoi, ça me rappelle Red Dead Redemption 2. Avec ces animations qui prennent un quart d'heure à chaque fois. C'était plus fun quand même. Franchement. Ah, je sais pas, vous l'avez tous mangé dans le creux de la main pendant des semaines. Ouais, mais après non. Alors c'est quoi? Donc c'est pas par ici, ça doit être par là. Je dois avoir un dernier truc à activer. Mars, c'est une étoile de la mort. Je préférerais honnêtement. Tu peux faire ton scan là pour savoir ce que t'as à faire. Ah, mais ça sert à ça? Mais c'est quoi ça? Ça sera mon seul moment d'intelligence du stream. Hein, donc. Bah après, vous. Mais attends. C'est là-bas, ok. Pounz, garde-les de côté tes moments d'intelligence parce que je pense qu'on en aura besoin après. De rien. Ok. Donc ça... Ah oui, d'accord, c'est ici. Ah oui. J'espère que j'aurai pas besoin. Ah oui, ça, putain, ouais, mais j'ai une mémoire super courte aussi, ça va. C'est facile aussi quand on se souvient des choses. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un. Donc voilà. Hop là. Fusil d'interrupteur, mais. Oh ça va, ouais. Putain, le mécano de l'espace, quoi. Ça là. Waouh. Ah, c'est bien fait, hein. Ah, y'a pas à dire, on est dedans, hein. C'est comme si j'étais sur Mars. C'est quoi? Réseau 2. Vas-y. Clip. Merde, j'ai éteint. Tu l'as éteint. Mais attends. C'est bon, là, prêt. Et tu peux pas refaire un truc? J'ai un problème avec mon réseau numéro 2. Fallait laisser la batterie dedans. Ah non, mais vous êtes chiant aux batteries. Je vais t'en chier une de batterie. Franchement, est-ce que tu peux... Si tu pouvais le faire là, maintenant, ça m'arrangerait. Donc du coup, il faut que je récupère la batterie sur le truc en haut, que je la mette dans le truc numéro 2. Mon petit jeu de merde là, dans lequel tu découvres qu'il y a les Russes qui sont venus il y a 30 années durant la guerre froide, je trouve ça beaucoup plus percutant et intéressant que ça. Bah oui, bah ouais, c'est normal. Tu faisais pas chier à avoir des screamers pendant une heure, en tout cas. Et puis rien que les aliens qu'on trouvait sur Mars, c'était super stylé. Faudrait que je le fasse, celui-là. Si tu veux, tu t'es branlé dessus pendant un moment et ça dure juste quelques heures, mais c'est vache, c'est. Ouais. À la fin, c'est un peu longuet, ça se renouvelle pas trop, mais c'est vachement intéressant. C'est une expérience? Bah, t'as le choc. Bah, maintenant tu sais, mais quand tu découvres qu'il y a des gens qui sont déjà venus là, qui sont venus il y a 30-40 ans, enfin, c'est. Tu t'y attends pas, quoi. Alors que là, pour l'instant, je m'attends à tout. Je sais plus ce que c'est, Mireille, je cherchais sur internet. C'était pas. Putain, je me souviens plus. Il y a un truc avec Red, je crois. Ah, attends. Qui me parle? Ah, c'est bon, hein? Ah, c'est bon. Non, c'est pas Mission to Mars. J'ai... Hey, il va se vénérer. On dirait une poissonneuse. Poissonnière? Poissonniste? En plus, quand j'ai retiré la batterie tout à l'heure, ça m'a pas genre retiré. Tu sais, j'étais à 3 sur 3.
au niveau des panneaux solaires. Et quand j'ai retiré de la batterie, ça m'a pas remis que j'étais à 2 sur 3 en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'aurais pu laisser la batterie. Mais en fait, c'est complètement Lifeless Planet te demande of Man. Je suis content que tu l'aies dit. Ah, d'accord. Tu l'avais vu depuis tout à l'heure en fait. Voilà, tout quel ça. Connard. Merci aux fans. 69%. Alors, et là, du coup, prêt. Momo, il a dit Stargate. Et maintenant ? T'avais un bouton sur la machine de merde. Attends, t'avais le curseur d'objectif avec ton truc. Tu peux peut-être. Oui. Ok, bah appuie sur un bouton. Scan négatif ? Je suis en scan négatif là ? Appuie sur le bouton, appuie sur start. Bah oui, mais là, pousser, ça va l'éteindre. Ah, fallait éteindre pour allumer, d'accord. Ah, ok. Énergie propre. Mais tu te fous de ma gueule. Je sais pas s'ils voient les succès. Non, ils ont pas vu les succès, mais on vient de gagner un succès énergie propre et. J'ai séché dessus. J'ai pas qu'il y avait une centrale nucléaire dans le jeu. Et ça marchera pas ici ton lobbyisme. Les gens ils sont pas attentifs. Ah, j'ai encore j'espère que j'ai pas encore des panneaux solaires à allumer, mec, parce que putain. Ouais, parce que ça va me gonfler. Ouais, bah moi aussi. Je lis pas les textes depuis tout à l'heure. Il y a une russe qui a des problèmes dans sa serre. C'est pas sexuel, pour une fois. Bon, il fait chier, je suis obligé de refaire tout à pied en plus. Tu peux pas sauter? Je crois pas. Non, je crois que je peux pas sauter. Oh. Si on est attentif, le lobby c'est dans Call of Duty. C'est trop marrant ça, mec. Ah, je viens de la comprendre. C'est il écran ton one man show. Loser. Petite pite. Waouh. Ramène ton transplantoir. On dit pas juste un plantoir. Un transplantoir, on dirait un truc pour changer les membres. Un transplantil. Quoi? Non, ouais, je sais. Eh, on a bien fait de couper les lumières quand même. On a l'air plus con dans le noir. Oui, on a juste l'air plus con, ouais. C'est ça que j'ai même pas la lumière chez moi. C'est vrai. Comme ça, t'es habitué. Attends, il y a même des petites loupiottes devant les photos. Non. Des petites loupiottes. Des loupiottes. Il te les a pas montrées parce qu'il m'a dit que tu serais foutu de sa gueule. Si, si, il les a montrées. Et il m'a dit, je suis pas pédé ou je sais pas quoi. Non, direct. Il me semble. No homo. Il a très peur de sa sexualité. Et je comprends. Je vais reprendre un coca. Et bah, vas-y, fonce, ça te fera un truc à faire. Moi, je retourne dans la base. Ouais, laisse-moi mon. Il a eu peur. Même des panneaux solaires, je gueule. Je crois que c'est parce que t'as claqué les mains et Paco, il a eu extrêmement peur en fait. Y'a que les jeux de merde qui te laissent pas sauter. C'est peut-être vrai ça. Oh, j'ai de la monster. Salut B4, ça va mec? Coucou. On vient plus aux soirées là. Non, tu fais pas le con. Hey, still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Oh, il nous fait chier avec son rêve, ça va, c'était 5 minutes. C'est toi qui bouge ou pas? Là, oui, mais sinon, non. Oh. J'ai l'impression que c'est juste un. Vas-y, je suis trop triste. C'est juste un transport, mec. Hein. Tu peux sauter dans Bad Rats. Tu te souviens de Bad Rats? Qui te regarde depuis l'intérieur? Attention! C'était là où j'étais en plus, c'était ma chambre. Qui a chié sur mon lit? Je crois que c'était juste une caméra en fait. je crois que c'était juste une caméra. Il y a quelqu'un qui t'a dit bonjour, Paco. Ouais, il y a Arteris qui a dit coucou, Paco. Il m'a reniflé le genou, Paco, tout à l'heure. Celui sur lequel tu t'étais assis avec ton cul sur mon genou, hein? Oui. D'ailleurs, vous savez que la semaine dernière, il a mis son anus sur mon genou. Mais vraiment. Il a réussi à mettre son genou dans mon cul. Vraiment. En public. Ouais. Et c'était même pas voulu. C'est l'expérience la plus homosexuelle qu'il a eue. Franchement, j'ai encore des frissons. Mon genou dans ton cul. Arrête. Calme-toi. Voilà. C'est bon, ça va commencer là. Il y a Mirage qui dit chute, ça commence. Scadior, il est trop jaloux. D'ailleurs, en parlant de chute, ça commence. Donc demain, ce sera le stream du 31. On fera un ou deux jeux. Et ensuite, on ira tous sur le drive mater un film, d'accord? Le drive sera ouvert. Il y aura pas de token à prendre. Ce sera juste un lien. Et on laissera la conversation, on laissera le Discord et tout, de l'équipe. Et puis il n'y a pas du tout de screamer sur le site du Drive. En plus. Et du coup, on ira tous mater un film en même temps, d'accord? J'espère que ça vous dit, c'est un gros film de merde. Donc je pense que ce sera cool. Mettez pas le son trop fort. Casse-toi, ta gueule. C'est un site. J'ai encore oublié l'atmosphère. Putain, mais il va encore mourir. C'est bon, c'est juste mes yeux qui sortent. Vite, ouf. Tu l'as choisi, du coup? Ouais.
Je te l'ai dit le titre en plus, hein. Et je t'ai envoyé des screens. Mais non, tu m'as envoyé les deux, tu m'as dit je sais pas lequel le prendre entre les deux. Et du coup, je sais pas. Mais en fait, oulala, le point de contrôle. Le point de contrôle. C'est de plus en plus de bordel ici. Ouais. Et en fait, si, je pense avoir trouvé le bon. J'ai l'impression que le jeu il est en train de se charger la race là. Qu'est-ce qu'il charge? T'as lâché une caisse? C'est le siège. Okay, ouais. C'est le siège qui pète. C'est un site le drive? Quand même, un peu. Réfléchis. Attends, parce que je dois aller par où du coup? Dis-moi, petit. Oh, il s'est enlevé des poils. Il a fait un petit shake. Shaker booty. Ah, il a bavé. Oh. Il a bavé sur Russian. Elle a étalé la bave sur mon genou. Russian, il est baptisé. Elle a étalé la bave sur le genou que j'ai mis dans le cul d'Adwim. Putain, mais le pauvre genou, quoi. Non, c'était le droit en plus, c'était pas le gauche. Il se prend du cul, il se prend de la bave. Je suis où là? Qu'est-ce que je dois foutre? Attends, fais voir. Scan négatif. C'est où mes objectifs? J'ai pas d'objectif. Mais vivre. Attends, fais voir. Objectif. Enquêter sur les problèmes dans la serre. Waouh. Et ça, c'est mon inventaire, d'accord. T'as envoyé sur Mars pour ça? Apparemment, ouais. Il y a tes BPM qui ont augmenté. Et c'est parce que je suis en train de sprinter depuis tout à l'heure, en fait. Oh là. Ouais, j'ai un problème avec j'étais sorti. Je crois que j'étais sorti, mec. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça va, je regarde. Merci, Vitomi. Moi j'ai pas eu peur, j'ai pas regardé là. Ouais, j'ai pas peur parce que je joue pas. J'ai été surpris, ça m'a fait peur. Ouais, j'avais pas peur parce que je joue pas, parce que Rossani est. Tu veux jouer? Non. C'est quoi ce jeu? Merci beaucoup, merci beaucoup, mec. Ça me fait extrêmement plaisir. Pounz, elle est partie, fait caca. Pounz, elle est en train de chuchoter à son chien de se coucher parce qu'il fait chier. Mais non. Et fait caca. Et il est mignon. Ok. Oh là là, ah oui. C'est joli l'isolation avec les petites bulles, j'ai envie de toutes les péter là, non? C'est rigolo de marcher dessus, ça fait un peu. C'est marrant, non? Ah, oh, j'aimerais bien. Trouve-moi. Fais-moi un slip uniquement en ça, s'il te plaît. Merde, j'avais une question de code à poser à Dwim, mais il en stream. Bah, ça tombe bien, je suis là, trou du cul. Bah oui, s'il y a bien un moment, c'est maintenant, mec, hein, sinon il te répondra jamais. Je suis même pas encore bourré. Avec la monster, ça va tarder. Franchement. En fait. mes reins vont lâcher avant. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un petit peu de gâteau. C'est quoi le gâteau? Du gâteau apéro. Mmh. Ouais, on est en train de prendre un apéro en même temps là. Et moi je suis en train de tourner en rond, je sais vraiment pas ce que je dois branler en fait. Attends, j'arrive, je te donne mon intelligence. Attends, mais on a le droit à 3 points d'intelligence de la part de Pounz, alors les gâche pas non plus tous en même temps. Hein. Mais tu me dis quand t'en as besoin. Et c'est 3 pour la soirée, hein, pas 3 par jeu. Hein. Chacun prend un peu. En même temps, il y a que 2 jeux donc ça fera 6. C'est pas de bon. Moi aussi je suis malin. Comment je. Je suis maligne maintenant. Mais je. Tu l'as activé, il est activé le truc? On est même pas de dedans. C'est au fromage? Oui, t'aimeras pas. C'est quoi ça? Oh. T'aimes pas les gâteaux au fromage? Adwin, t'as déjà eu des soucis sur les relations des modèles dans Laravel avec des UID? Bah, c'est pas natif les UID, tu les rajoutes à la main. C'est quoi tes problèmes de relations? Bienvenue sur Corrige mon code. Bah, je suis payé pour. Tu devrais faire ça le dimanche comme stream? Non, mais j'avais regardé des sites pour être prof. Et ça rapporte bien. C'est ça ta conclusion? Oui. Oh putain. Attends, j'ai l'impression qu'il faut que je rentre là-dedans. Là. C'est joli les petites poupiottes là. Oh là putain, il rame le jeu. Regarde. Ah, là-bas, vrai, là. Il a du mal. Hein. Ah, il est en galère là. Ça, c'est vrai que c'est joli. Ah, dès que je tourne ma caméra, en fait, il est en train de charger sa vie. Il est en train de charger sa mort. Tout droit, rue, tout droit. Ouais, mais tout droit, il y a 30 secondes, t'étais où? De quoi il parle? Là. T'as vraiment fait au fromage juste pour qu'on là, c'est fermé. Mais t'es vraiment une. Mais mec. Ah, c'est plus le fromage maintenant! Mais comment? Et si quelqu'un aussi talentueux peut être aussi maladroit en même temps, mais c'est incroyable! J'ai des gros problèmes en ce moment. Enfin, de maladroitement. Ouais, mais. Je vais sortir là, non? Elle marche dessus! Putain, mais ils m'ont foutu les gâteaux de fromage partout, ces cons là, c'est incroyable! Ok. Putain! Pourquoi le jeu il se galère comme ça là? Non mais c'est un reste de maquette qu'on avait dit hier. Du coup je peaufine ta question, Mécard, je n'ai pas compris. Si t'as des soucis de relation, faut aller voir un psychologue de couple. Ok, donc là il y a un problème, il faut que je répare l'épurateur d'eau. Oh, putain, mais mec. Mais comme Taylor c'est un connard, bah dans le système de relation de l'account, il casse les UID en int et je trouve aucun package. Il casse les UID en int. Bon, tu fais un getter et tu le casses en string. Quelqu'un va baver sur les. C'est peut-être moi. C'est lui. Mon pauvre écran, mon pauvre stream. Il y a du fromage par terre, il y a du coca sur l'écran. J'ai des pilules dans ma bière. La.
Il y a des rats dans ma toilette. Là, là. Et pour, à chaque fois, il ouvre la porte du mauvais côté, il se la prend en la gueule. Il est vraiment con, ce scientifique. Hein. Décidément, ces nerds, y a rien qui les rattrape. Hein. C'est de la vraie. Non, non, c'est de la texture projetée. Ouais, y a rien dedans. Non, c'est. Ah, bah, je sais pas. Mais ouais, B44, tu fais un getter ou alors dans les modèles, t'as une propriété cast pour définir des castes avant de les appeler. les intouchables, etc. Non, pas des. Non, mais. T'as compris? C'était une blague sur l'Inde. Parce qu'ils sont encore super arriérés en fait. C'est dehors, le bruit. Socialement, oui, c'est dehors. C'est pas le chien qui est en train de faire un bruit de voiture. Il y a une voiture dans ton appart. Il y a Scolar qui demande s'il y a eu de la flippasse, mais pas beaucoup. Hein. Mais non, c'est chiant. Bah, j'ai sursauté deux fois, mais sinon. Deux fois à cause des dons, ouais. Pas autre chose. Mais attends, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est où les pirateurs? C'est par là-bas? Putain, j'ai glissé une annonce. Tiens, je te rends dans la gueule. Attends, c'est où les purateurs là? C'est à 40 mètres, c'est par là-bas? Non, c'est pas par là-bas! Oh putain! Mais attends, c'est toi qui as couru dans la pièce! Mais je sais pas, mais il est con le personnage, il arrête pas de sprinter pour rien là, c'est quoi ça? On s'était dit quoi déjà? 2h, 2h? Il y a un PC là-bas, ouais, 2h, 2h, ouais. Putain, ça va être là encore 40 minutes. Oh ça va, ouvrir! Merde! C'était pas ça! Oh t'as vu l'engrais, t'as de quoi faire une bombe? Ouvrir! Species include, ouais, bon, c'est vrai, c'est on s'en fout. Un truc de nerd, ça. T'as vu ça, toi, Poods? Il y avait des ficus. Des ficus? C'est rigolo, les ficus! Mais oui! Registre, on s'en fout. Moi, je veux voir des jumpscares, c'est où? Je suis vraiment un gros con, mais écoute. Là, déjà, c'est noir, comparé à tout à l'heure, toi, c'est mieux. Ouais, tu manipules la mémoire en passant par du code assembleur en faisant des shuffles avec des instructions SIMD. Mais c'est quoi, Adwim, raconte-nous une histoire! C'est de la merde. Il est super loin à partir, j'ai fait chez un pote et franchement voilà. Ouais, mais est-ce qu'une fois qu'il est parti, il est bien ou il est pas bien? Parce que et vous avez fait quoi après avec votre pote? Il est pas bien. Il était long ton pote? Ton pote, sur lui, quoi, parce que... Il y a une grosse quéquette ou pas? Mais non, mais je trouve que le jeu est joli en fait. C'est dommage que ce soit un jeu d'horreur en fait. Parce que si c'était un jeu de management de station spatiale, ce serait sympa. Pas de station martienne. C'est pas tellement ce qu'on recherchait en fait. Ouais, bah, pour ce soir. Bah oui, non, mais sans déconner. Tu vois un truc qui fait peur? Ah non, pas la méthode agile. Non, elle vient me chercher la nuit. Pourquoi c'est ouvert ça? C'est quoi? Oh, du caca! Oh, y'a du caca! Y'a de la foufoune! Quoi? Ah, ça s'est refermé sur ma gueule. Le caca, c'est de la foufoune en liquide en rouge. Ça me fait rire. C'est quoi? Ah, une manivelle! Mais globalement, j'ai surchargé les getters pour les clés primaires, c'est facile, mais pour les foreign key, j'ai un peu. Pas la méthode agile. Personne est enthousiaste à l'idée de. C'est attesté, B44, ou rien qu'avec ta version de la Ravel, ça va pas se comporter de la même manière en plus. Oui. Oui, vas-y, tourne. Michel? Voilà. Et le truc de la méthode agile, je vais le mettre dans ton. Non, tu mets pas ta saloperie agile, c'est bon. Ouais. Tu savais que j'étais Scrum Master? Ouais, j'ai plein de fiches de poste. Je t'aime un peu moins en fait. J'en ai connu des Scrum Master, hein. C'était tous des cons. Avec une exception jusqu'à maintenant, toi. Oh, c'est gentil. Oui, je t'ai fait un compliment, c'est là, il était gratuit. Mais je le retire du coup. Non, finalement, ils sont tous cons. c'est quoi, ça? Ah putain, faut le niveau 2. Oh bah merde, dit. Va falloir que je passe dans les égouts. On passe par la trappe. Oh bah merde. Oh, ça fait peur ici. Oh, tu pas. Ouh. Par contre, Adwim, c'est chaud pour qu'on fasse des streams de code. La dernière fois, il voulait qu'on fasse un apéro code, B44. J'ai pas trop compris. Quel gros nerd, c'est pas trop compris ce que c'était. Il fait genre, ouais, les bières et tout, mais tout ce qu'il veut faire, c'est faire du code en fait. C'est un nerd. Ouais, c'est... Un vrai nerd. Oh, c'était très bien c'était fait. C'était très moche. C'est dégueu un peu, non? Apparemment, bah quoi, c'est cheap. C'est juste de l'eau, non? Non, l'effet d'eau. On dirait ouais. C'est bon, on a pas vu. Non, ça, c'était un vrai monstre, ça. Non, moi j'ai pas vu. Ça, c'était un vrai monstre, non, ça, par contre. Non, moi j'ai pas vu. C'était. C'est Adwim. Adwim! Attends, je me touche les pecs. Y'a. Mais qu'est-ce qu'il y a personne qui est utile dans mon appart. Paco! Hey, oh, Paco! Je te signale que je t'ai donné un point d'intelligence. Et moi je le retire. Attends, je commence vraiment à avoir peur, mais. Je peux m'accroupir en fait. Ouh, mais c'est joli c'est ici. C'est joli ça. Ouais, ouais, on dirait un truc à la Mirror's Edge. C'est du reflet ou c'est. Oui, c'est du reflet en fait. On dirait du Mirror's Edge. Ouais, oh. Ouais, ouh. C'est quoi un apéro code? T'as des Pringles, Goupiton ou des Chipsters dans ces. Il a sorti les deux seuls codes qu'il connaît. C'est pas du code. Langage. Des langues. Des langues, on dit. Comme Jenny.
Jeannie Longo. C'est comme une voiture. Des Laguna. Ça n'a aucun sens. Attends, mais non, mais je suis en train de flipper aussi là. Moi je veux bien. Chacalon, macalon. Non, mais là il y avait un truc par contre. Oh, la bite. Je vais en faire une alerte pour faire une sonnerie téléphone où Edwin me dit oh, la bite. Comme ça, en boucle. Le recode, c'est quand tu bois de la bière en faisant du code. Hein. Et plus tu bois, plus t'es doué. C'est pas mon cas. Même quand t'es sobre. Moi, je me débrouille bien. Attends, faut que je passe par là, là. Je peux passer ici ou quoi? Ou c'est chaud? Non, on a vu la première bite et il s'est même pas exclamé dessus. Non. Il s'est dit, oh, c'est quoi cette grosse bite? Hein. Pas... il y a eu deux bites dans votre station spatiale, on dit. Genre, c'est pas trop normal qu'il ait plein de flottes comme ça, là. Ça lui fait pas trop peur. Tu veux une pizza zizi? Oh putain, heureusement que je suis pas la souris parce que vous m'auriez vu sursauter. Merci beaucoup Bangalore Barbossa. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est sur le chat, mais c'est un des pseudos les plus stylés que j'ai vu cette année, Bangalore Barbossa. Non. Il y avait... Bah tant pis. Il y a-t-il un chibre dans ma colonie? Mais si, la flotte justement, c'est ce qu'on essaie de régler en fait le problème. Et il a dit au début, putain, c'est quoi toute cette flotte là? Je veux dire, il s'inquiète pas plus que ça quoi. Genre, il a juste dit, ah, il y a de l'eau, ah bah faut l'enlever. Mais je crois que c'est ce qu'il disait au début en gros aussi, que la station est en train de partir en cacahuète de partout et que ça commence à les saouler de devoir tout réparer dire, en boucle. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un tout petit peu d'eau par terre, le truc il est déjà à 30 cm quoi. Il y a quand même quelques milliers. Une fuite d'eau sur Mars en quelques mois ou. Non, mais c'est pour ça. Ça a peut-être créé une forme de vie, hein, tu sais pas. En forme de gros tub. Je vais même pas. Les gars, je vais remettre un truc où j'en monte. Il y a de la foufoune, De la foufounette. Oh, on dirait les vieux commentateurs d'interview. Oh, la foufounette. J'aurais plus dit les fêtes foraines, moi. Mais. Oui, un petit peu aussi, ouais. On monte, la fouf. Vas-y, avance. Non. Attends, va aller là-bas avant. Tu peux jouer 10 secondes? Non, je vais avancer dedans. Là, ça commence à être un petit peu intéressant. La structure racinaire du palais tuvier. Une substance noire et visqueuse comme de l'huile. Mais en fait, ça fait 30 ans qu'il est là, le truc, quoi. Bah, j'ai l'impression, hein. Ah non, mais qu'à toi, ça me dégoûte. Ah, c'est dégueu. Ah! Ah, ça me donne la gerbe. Ouais. Ça a l'air de puer, ça. Je suis sûr que c'est dégueu ici, là. Oh, c'est gentil pour... Oh, merci MK44 pour les 10 balles. En plus, Maker pas cher, c'est combien? C'est plus de 10 balles. Merde. Merci beaucoup, MK4, la putain de ta race. Ah. Mais en vrai, ça fait combien de temps qu'il y a une fuite? Lèche ça. Bordel pour bah, que ça arrive à ça. Obama, 10 ans. Poon, t'as pas envie de mettre un coup de couteau là-dedans là? Un coup de tête. Et que ça fasse... Pouf. Si t'es devant, oui. Si t'es... Bah, si c'est moi... Je fais de la SMR dégueulasse. Hein. Oh, ça me dégoûte. Ok. Ah. Boum. Ok. C'est bon. Ah. C'est bon. Ok. Yadar, il a envie de se vider le chargeur dans les pustules. J'avais rien à faire. Calme-toi avec ton chargeur, Yadar. Reste à faire des RT sur Twitter. T'as déjà beaucoup de boulot. Oh. Faut qu'on s'achète une webcam juste pour les dames. Ah. Ok. Me voilà dans l'épurateur. Ça épure, hein. Ah, c'est à moi de jouer, du coup. Épurateur de... Tu veux? Ah, ouais, parce que attends, j'ai dit un épurateur, pas un répurgateur. Un répurgateur. C'est marrant, hein. Allez, ouh. Oh, y'a du code couleur là-dedans, mon gars. Oh, la merde. C'est quoi, ça? Prendre. Ah, réalisation niveau 2, je vois rien. On prend la tête, Lucas van Buren. Ah, il est de la famille de Polion, peut-être. Donc, il va piquer une carte. Oh. Franchement... Piquer le badge, c'est contraire aux politiques de l'entreprise. Au règlement des patchs. Normalement, ça c'est faute grave. Licenciement. Yes! Encore des. Non, modules. Mais mec, ça va, non? Il n'y a pas de module dans Forbidden Siren. Recyclez-le. Ah bah merde, je peux pas, il nous faut 3 modules, dis. Oh bah dis, t'as un accent marseillais. Ouais. Dès que je suis soumis, j'ai un petit accent marseillais. Non mais c'est bon, du coup, il va falloir retrouver des modules, mais on va être poursuivi par des créatures, vous allez voir. De l'espace? Vous allez voir. Vous allez voir, franchement là, ça fait pas trop peur, mais... T'as ton masque? Non, je suis pas dehors, je suis dans la serre. Ah, je suis... Mais... Trop mignon. Ok. Oh, ça me fait déjà chier. Oh mec. Je déteste ça.
Ok, donc faut suivre. Ok, faut suivre les trucs. Ça me fait mal, tu fais un flip. Ok, ouais, ouais, c'est. Tu t'y habitues à la technique du casque sur la moitié de l'oreille, mais ça fait mal à l'oreille au bout d'un moment. Voilà, ici ça commence à faire. La guirlande avec les petites chauves-souris commence à bouger, Poon. On appelle ça du vent, Rossienne. Oui. C'est pas les palétuviers. L'hôtel. Mais c'est pas un palétuvier, ça c'est une infection. C'est les racines du palétuvier qui sont en train. Regarde, regarde! En fait, tu vas introduire la vie sur Mars. On dirait les trucs dans. Merde, comment il s'appelait la guerre des mondes là, ou je sais pas quoi, tu sais, les racines rouges. Oui, rouges là, ouais, ouais, carrément. Les racines ouais. Cheloues, des. Ouais, 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 ouais. J'ai envie de le regarder encore une fois les d'ailleurs. Trucs de The Last of Us. The Last of Us? Oui, les parasites. Ah oui, le cordyceps? Ouais. Parce que c'est les champignons. D'ailleurs, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de problème au niveau du render, vous avez pas de frames qui sont skippés? Au cas où, parce que j'ai pas demandé tout à l'heure. On sent que le jeu n'est pas d'une toute fraîcheur. Ah bah regarde, là, il y a des jolies plantes. Bah mon gars, je les regarde, les plantes, et c'est en train de. Oh, mets ta tête dans cette image. Bah fais-leur des bisous. Mais non, mais la pauvre, elle est en train d'être justement capturée par quelque chose d'autre, là. Poilon, il a dit que le cordyceps, c'est chiant à bosser à la muscu. C'est l'anicordyceps. Oh. C'est celui qui a la bonne nucurée. Attends, j'ai entendu quelqu'un qui chantait ça récemment. Un clodo dans la rue. Et quand le diable, qui est un beau diable, Mais c'est un clodo qu'on a vu, qui a une guitare et il y a des instruments devant lui. Et tu peux l'aider. Ah, lui, il est cool, lui, je lui ai donné 1€ la dernière fois. C'est vrai? Ouais. Quand je m'étais paumé en sortant du tabac. Il t'a dit quoi? Oui, t'avais pris mauvais. Il m'a dit, hey, merci mec. Tu voulais daber? Il m'a dit, oui. Oui, j'ai pas dabé finalement parce qu'il était trop gentil. Et il m'a dit, merci mec, garde le sourire. Du coup, j'ai souri après. J'ai oublié ma dépression. Instantanément. Mais par les clodos toujours, moi. Je suis pas comme mon père qui leur met des coups de pied, moi je suis plus dans le feutré. Des coups de pied. ok. C'est juste le tonnerre de l'imprimante 2GG qui a explosé sa foutue langue partout. Franchement, t'as, à mon avis... Ça me fait paniquer, j'ai l'impression que tu vas sortir. Bah ici, un petit peu, hein, j'admets que... Oh, trop chou, des bébés plantes. J'avoue que celle-là, par contre, on dirait des petites... Mais non, mais regarde, regarde la petite salade, là. Moi, ça m'énerve, les petites plantes. Ça, c'est... Oh, le mec, il a vraiment aucune passion. Non, mais vraiment, je préfère les arbres. Les petites plantes, je vais me marcher dessus, quoi. Moi, j'aime les plantes carnivores qui mangent des chiens. T'as rappelé quand j'ai mangé une araignée? Oh. C'est vrai, en plus. Toutes les nuits, tu manges 700 araignées, il paraît. C'est pas vrai. C'est 800. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi, ça? Non, c'est Russian qui m'a étendu une petite feuille avec une araignée dessus. Mmh. Et du coup, j'ai avalé la fleur. Et du coup, j'ai mangé une araignée. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je suis en train de jouer au loto. Je comprends pas. Ah, faut peut-être que je puisse passer en fait. Non? Non, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de branler, poteau. J'ai aucune idée. On verra bien. On verra bien. Je vais essayer d'aller là-bas justement. Tac. Pourquoi il y a des cartes d'accès? Ils ont peur des cambrioleurs martiens? Bah déjà c'est vrai. En même temps t'es tout seul donc c'est bizarre une carte d'accès. Bah si t'as une équipe de professionnels en plus, au mieux faire en sorte qu'ils aient accès à tout, non? Et j'ai pas suivi pourquoi ils se retrouvent tout seuls. Parce que blablabla. D'accord. Renfort narratif. Parce que le scénario a oublié de nous le dire. Donc c'est pas moi qui ai pas suivi, non, c'est que le jeu... Le mec il a dit au début, oui on est tous nanana, donc t'as la base tout pour toi tout seul. Ah, il m'a fait, c'était quoi le nanana? Je sais pas. Nanana, t'es tout seul dans ta vie, nanana. Ah, yes. Plus que deux. On retrouve les deux autres. Adwim, il est dépressif. Je suis médusé. Je vais essayer de tracer un petit peu, histoire qu'on les évite. Éviter quoi? Qu'on les ait rapidement. Wow. Oui, il y a de l'engrais partout. Tu peux faire une bombe avec ça. Est-ce qu'on joue un corps? C'est quoi cette distance de vue? C'est pourquoi j'ai dit ça comme ça. C'est quoi cette distance de vue en Poland? Ça va le parisien? T'es possédé ou quoi? Oh, j'ai police. T'as compris la blague? Oui. C'était bien, j'ai. Je pensais que vous alliez faire une référence à Morrowind plus, mais. Non, j'ai police. Ah, attends, j'ai une quête secondaire où il faut que je coupe des arroseurs. Oh la vache, mais mec, je vois que rien. Il y a un truc qui va t'arriver dans la gueule. Incessamment. Ça m'étonnerait. Il y a une couche qui va nous redonner le goût à la vie. On t'irance, oui, Philippe. Est-ce que tu m'as pété au visage? Jesus. Oh, bah pourquoi? Mais c'est qui, monsieur? Est-ce que c'était Putain, il est chiant, il casse tout.
Vas-y. Mais tu vas mourir. Oula. Attends, je suis bloqué. Je peux sauter. Non, je suis pas bloqué. Je pense que je peux tomber. Non, mais vas-y pas. T'as pas de sauvegarde. Mais c'était une hallucination. Ouais, vas-y. Ah non, arrête. Attends, parce que tu m'as. Du coup, tu m'as montré que j'avais un truc pour les objectifs rapides en fait. Merci Adoim. Qu'est-ce que je fais? Je vais dedans ou quoi? Vous me donnez quoi si je vais dedans? Allez, allez, attention, on y est presque. Allez, on attend 10 secondes. Bah, ça prend un peu plus de temps que ça de un euro sur PayPal. De la consi- 1 euro pour 1 euro, franchement. Pour 1 euro. Tu nous dois 1 euro, fils de pute. Oh la vache, par contre, c'était ultra violent. T'es pas mort? Si. Oh là là. On attend Poléon. Il a fait à la fin, là. Mon ingratitude. Oui, dernier point de contrôle. Vas-y, merci. Il y a quand même quelqu'un qui a dit un bol à pinout, hein. Des 2 centimes de la part d'Hoffman, quand même. Je les attends, ceux-là, hein. Et franchement, un beau bol à pinout, franchement, pour avoir fait ça pour un bol à pinout, je suis content quand même. T'imagines, ça nous met avant les filtres? T'imagines, ça nous met au niveau des panneaux solaires? C'est bon. Bon, faut juste que j'aille couper les arroseurs. Les arroseurs arrosés. C'est même pas une rougeur, ça va passer. Attends, faut que tu le prennes, ça. Oui, je me suis couru. Parce qu'en gros, si j'appuie là, ça va activer. Mais en fait, c'est un petit peu comme Soma, sauf que Soma était beaucoup moins compliqué dans son approche des puzzles, en fait. Puis il était beau. C'est pas, il est beau, le jeu, là, arrête. Non, mais il avait une atmosphère beaucoup plus enivrante, je trouve. Bah, pour l'instant, peut-être, mais bon. Mais quand le diable... Putain, je te retourne pas et... recule sans te retourner, après. On va voir si l'animation se fait, quand même. On va se péter la gueule, mec, on va se péter la gueule. Attends, c'est pas là où il... C'est pas là, c'est au deuxième. C'est au deuxième, ouais. Bah, au deuxième, recule. Eh! Vos gueules! On se calme dehors, hein. Bandonazi. Tu l'as pas dit très fort, mais. Bandonazi! À peu qui veut. Chose promise, chose dit, merci Lysander! Comme on a gagné 2 balles. Alors, pour combien d'argent, on recule? Ça ne sert à rien. Il a dit putain, et je pense que le script s'est fait. Hein. Ouais. Oui, c'est fait. Et ça, tu peux aller dans le vide, là? Combien tu me donnes? Un bol à pinout? 2 bols à pinout? Ouais. Des bols à pinel? Pour prendre des goûts différents, tu vois. Des bols. Des gouttes? Oh, et est-ce que tu penses que c'est possible sur internet de d'acheter genre. Un bol à deux trucs? Non! Non! Mais non! Je parlais d'un. Tu sais, comme sur le site de Haribo, tu peux commander genre 1 kilo ou 2 kilos de. Ah oui! Est-ce que tu penses qu'on peut acheter 1 kilo de pinout? Oui, je pense. Est-ce que c'est possible? Les pinouts, pour les connards qui savent pas, c'est les Twinuts. C'est ce qu'on appelle les Twinuts, sauf que Twinuts c'est un nom de merde et ouais, je préfère pinout. Pardon? Qu'est-ce que tu as osé dire? Ouais, j'ai cacahuètes, quoi. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Alors, du coup, faut que je fasse quoi avec ça? Faut que je la. Faut que tu fous en rien de passer. Faut que... Il est marrant son essoreur à salade, là. Comme ça, là? Ouais. Et quand le diable, qu'est un beau diable. Non. Un jeu avec Godzilla, ça manque. Putain, j'aimerais tant que ma chambre elle soit comme ça. Avec des feuillages partout. Avec un feuillage qui tourne, c'est chiant, maintenant. Vider l'excrément. Et imagine en plus, imagine toutes les araignées que ça attirerait, meuf. Rien que pour ça, c'est mort. Ah, mais si t'en fais des chimiques que les araignées elles aiment pas. Quoi, tout le monde danse quand j'ai chanté des trucs de Godzilla? C'est quoi ce délire? Go Godzilla! Alors. J'espère que c'est la dernière batterie. Non, c'est la deuxième. J'espère au moins qu'on aura quelques jumpscares parce que pour l'instant. C'est un peu chiche. Un peu chiche. Comme tu dis, c'est bien. C'est un peu chiche, hein. Pourquoi c'est un peu. Is someone there? Attention, y'a Alma. Oh. J'aurais déjà paniqué depuis longtemps. Hein. Pourquoi le brouillard il est de plus en plus flippant? Mais je... Tout à l'heure dans la serre c'était orange et jaune. Ah, ce truc à la Silent Hill ici, mon gars. Mais c'est pour ça. Y'avait pas d'autre passage là-bas, je suis pas fou, non, c'est bon. Mais quand le diable. Tu m'as fait chier parce que tu me l'as mis dans la tête, espèce de bâtard. T'as fait les cœurs. Je suis la bande du cœur et. Tu fais le cœur des. Comment? De l'armée rouge. Le corps de chasse là. Alors, je suis pas un G, mais c'est pas un risque de se faire virer. Je suis pas un G, mais c'est pas risque de virer une à une toutes les batteries d'une station martienne. Ça va, c'est les. Non, t'es pas un G, on le sait bien. On s'en fout, c'est juste l'installation hydroponique qui est responsable de notre oxygène, qu'est-ce que ça peut foutre. Ça fait 2 fois que 2 streams que personne a ma bague. Mais il a dit quoi? Elle fait pas le poids, ta bague. Deux fois sur deux streams, c'est le correcteur, ça.
Le poids sans dé. Elle fait pas le poids, ta vanne. Parce qu'il y avait une vanne et il y avait un... Pour 182 euros sur Amazon, tu peux acheter 13,5 kg de Twinuts barbecue. Mais ouais, non, mais 13K, c'est, 13K. C'est celles qui sont pas bonnes, les 13 000. Barbecues. Elles sont pas... Elles sont pas qu'elles sont pas... Non, elles sont pas... Il a mis un K. 13 tonnes 500. 13 tonnes. Putain. 13 tonnes. Eh, hey, Pounz, 13 tonnes de pinoutes, même en barbecue, mais franchement. Des pinoutes pas bonnes, ça sert à rien. Mais c'est quoi qu'on prend, nous, c'est nature? Non, c'est les bacon. Ah, bacon et barbecue. Ok. Alors, elle est où la troisième emmerde là? Dans ton cul. C'est la jaune qu'il faut que je suive. Si je puis dire, c'est pas raciste. C'est quoi ça? Je vais activer. Ça va, Michel Leb. attends, faut que je leur foute la photo que j'ai trouvée tout à l'heure de Michel Leb. Je vais la prendre et je vais la... Tu peux jouer? Non, tu peux jouer pendant que je fais des conneries. je m'en vais, je sais pas où je vais. Comment je cours? Je vais me suicider. Il est où mon Michel Leb? Attends. Je sais pas où... Merde les gars, j'ai pas eu mon Michel Leb. J'avais un super Michel Leb. De compète et je l'ai paumé. Il est dans mes réactions peut-être. Les gars, on va se cacher dans un coin et faire bourronner. Regarde. Je veux plus rien. Ah, ça m'éclate ce truc. Ok, bref, rends-moi ça. Tu m'as amené devant? Je sais pas. Non, tu m'as remis en arrière, espèce de connard. Oh, y'a un chien. C'est combien de 12,5 kg de pinoutes bacon? C'était 140 balles? 182, je crois. Non, ça c'était pour les 13 kg de pinoutes barbecue. Je crois. Si j'ai bien suivi. 167 euros. 167 euros! Eh, Pounz, ça vaut le coup, moins franchement. C'est cher en plus que les pinoutes pas bonnes. Ça vaut le coup, franchement, Pounz. Pour 12 kg? Ouais. T'imagines le nombre d'épisodes de Marianne qu'on peut mater devant? Avec 12 kg. Qu'est-ce que tu fais à faire des kickflips avec ton casque, toi là? J'ai mal aux oreilles. Oui, il y a. Ah, ça a fait prout, la foufoune, elle a fait prout. Non, c'est moi. Mec, c'est le pire truc que j'ai dit en stream, mec. La foufoune, elle a fait prout. Elle a fait un peu de fouf. Waouh. Bravo, tu sais que c'est un mythe, ça? Non, pas du tout. T'as jamais pété de la fouf? J'osais pas le dire, mais... Attends, j'ai lesquels, déjà, là? Je peux voir mon inventaire, je crois. Il y a quelqu'un qui veut une boisson, peut-être. J'ai la jaune et j'ai la bleue, il me faut la rouge. Moi, c'est bon. Merci beaucoup Loltruche pour les 2 balles. J'ai pas de blague, c'est pas grave Loltruche, merci quand même. Bah Loltruche. Gros bisous. Quoi Loltruche? C'est une blague. Oh les yeux. Pourquoi tu viens de l'enculer gratuitement comme ça? Je crois pas, d'habitude tu fais payer. Parce qu'il a pas donné assez. Oh là là. Merci, ça va, c'était dans un moment un peu down. Pour l'instant il y a pas beaucoup de moments up, donc de toute façon on est tranquille, mais... C'est par là? J'en ai pas la moindre. Si, c'est par là. T'as entendu? Jesus, la porte s'est fermée devant toi. Oui, mais ils font chier avec leur script parce qu'ils sont jamais au bon endroit en fait. Tu vois, ça m'a fait plus peur que l'intégralité du reste du jeu. De quoi? Le petit message, attention, brèche dans le brèche confinement. De confinement. Bon confinement. Ah, c'est comme ça qu'on dit confinement en fait. Ah oui, confinement. Quelqu'un? Ah, je suis la bonne du curé. Y'a quelqu'un? Alors là, t'en es où au niveau du terre-à-terre, là? Ah oui. Mon caca est par terre. Ouais, ok. Wilson, tu veux la monster normale ou la... Non. Après, moi, je prendrai ma monster après, j'ai encore de la steam. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pour savoir laquelle je prends. Ah, mais prends celle que tu veux, je m'en fous, j'ai mes deux. Oh. Il est rentré ou il est sorti? Attends, le verre se trouve de quel côté? Des deux. Oh, merde. Oh. Mais c'était quoi, là-dedans? Oh non, il y a des chiens magiques. Le pantalon est marron, je répète, le pantalon est marron. Le pantalon pèse environ 2 kilos, je répète. J'ai du caca kaki. Ça commence à devenir intéressant, merci Babyface Go. Putain, je me fais niquer. C'est passé quoi? J'ai pas vu. On a entendu un gras groug, on a entendu un bruit de verre brisé, et maintenant... Et après, on a vu ça d'ouvert. Voilà, Pounz. Mais non, mais tu regardes pas, Pounz. On a une cage ouverte. Tu peux rentrer dans la cage? Et de la vitre cassée. D'accord, ok. Et y'a quoi dans les autres cages? Tu peux fermer la porte? Oh, dommage, je suis bien là. Y'a quoi dans les autres cages? Y'a rien dans les autres cages. C'est ça le problème. Y'a du vent, y'a un peu de foufoude encore, mais. Je sais pas combien ça pèse en paix, mais là je suis au-dessus. C'est du gaz, ça pèse. Bah, le mien.
Où est-ce qu'il est parti? Je te promets qu'il y a à boire et à manger, hein, poteau. En plus, il va pas nous attaquer là, l'enculé, parce qu'on est en plein air. Je suis sûr qu'il va attendre. Non, c'est même pas ce que c'est. Mais non, est-ce que ça sait ouvrir les portes? Je suis sûr que c'est un démon du fût. Est-ce que ça sait ouvrir les portes? Les portes. Les portes. Les portes. Donc tu mets la bleue dans la bleue, la jaune dans la verte. Pénitencier. T'as les trois là? Bien, toi, oui. Ok, je peux enlever ta. On sait. Va fermer. Ah, ça là! Que je finirai ma vie. Là où d'autres l'ont fini. Pourquoi il y a des chiffres sur les batteries? J'ai rien mis, j'ai rien bougé au niveau des chiffres. Y a pas justement des informations au niveau des chiffres. Fran pur. Dans le cas des récentes expériences, j'ai localisé les batteries. Non. On s'en fout. On s'en fout. C'est quoi? Les déranger. Je tenais à te dire que le temps que nous avons passé ensemble après, je m'en bats les couilles. Ah. T'as compris? Non, on s'en fout, je crois. 61,2 PSI, tu crois qu'il faut que j'additionne les trucs pour que ça fasse 161,2 au niveau. On va pas compter. De toute façon, c'est même pas de la pression, c'est des filtres, je crois. Système avancé de filtration d'eau à sortie multiple conçu par Manticore en collaboration avec Plétron. Chaque unité purifie une quantité d'eau précise avant de passer au stockage et maintient une pression constante supérieure à 60 PSI dans tout le réseau de Trailblazer Alpha. Putain la vache. 120, 35, 33. Ah non, ça, là ça m'a saoulé, j'étais saoulé, du coup ça va marcher. La crise cardiaque, bah on est pas prêt là. Là c'est, franchement c'était pas ça. Hein. Oh là là. Merci beaucoup quand même mec. 80, 80, 80, 132. C'est quoi le ratio entre chaque? Faut les stabiliser à 80, c'est ça? Je sais pas trop. Essaye de modifier les. On sait même pas quel chiffre on a mis, vas-y regarde. Ok, 80, 80. Tac. Attends, y'a quoi? Y'a 120, 50 et 25. Attends, je sais pas si. Attends, ça gueule dehors. Tu peux ou fermer, Pounce? Ah! Oh là là! Attends, je veux voir ça! Vous l'avez entendu ou pas? Est-ce que vous l'avez entendu? Chut! Chut! Il se marre! Ah oui, mais il s'est mis à la fenêtre et il se marre, mec! Ah, c'est vrai qu'il pleut beaucoup! Mais oui, non, il pleut! Non, mais par contre, ouais, il pleut de ouf! Bah oui, il est sous les cordes et. Enlève le son du jeu! Je suis pas sûr qu'on puisse enculer la poubelle! Ferme ta gueule, c'est moi qui habite là après, je vais me faire tabasser moi! Appelle le 115, appelle le 115 qui. C'est quoi le 115? Je sais pas! Chut! Je suis pas sûr qu'on puisse. Chut, ta gueule, ta gueule! J'ai dû faire partager au chat aussi! T'as quoi? Je pense qu'ils entendent là! Ah, le 115, c'est urgence sociale. Ah, c'est pas si marrant que ça en fait. Il a dit quoi? Je suis allé en prison, moi? Je crois. Il parle à une porte. Il dit, tu te prends pour qui à la porte? Ah, une porte bleue, les gars. Ferme la fenêtre et reviens jouer, toi. Ça fait peur. Il y a des mecs sur le chat, ils disent ça fait peur. C'est vrai qu'il pleut beaucoup. Bah oui, il pleut beaucoup. Vous entendez vraiment bien ce qu'il dit? Je pense qu'il doit entendre un petit peu, mais pas bien. Attends, mais je veux la fin d'espoir, moi. Mais il va se faire virer ou ils vont appeler les flics, comme d'habitude. Tu te rappelles la meuf, l'autre fois, là? L'arabe, là? Que le mec lui avait mal parlé en passant devant et ça avait duré. Tu sais ce qu'il lui avait dit? Qu'est-ce que je. Ah, t'as su après? Non, il y a juste chippé et c'est ça qu'il disait. Ah, mais j'ai pas entendu moi. Elle fait d'où tu chip? D'où tu chip? Mais vas-y là, d'où tu chip? C'était insupportable. Bon, allez. Viens chez toi, Rosian. Ferme et viens jouer. Mais il va juste s'abriter dans le tunnel. Ah, parce que la meuf, genre ça avait duré 30 ans, mais ça avait été trop long, enfin. Là, t'as l'air excité là. Bref, attends. Alors. Adwim! On a du boulot, Adwim! Alors. Voyons voir. Si je fais un truc comme ça, tu crois que ça marche? On s'en fout, mais on a un chien pour nous protéger. Ah bah, il peut venir, le mec. Hein. Non, il est pas cool. Inséré. Voilà. Ça marche maintenant? On est où là? Tac! J'ai réussi du premier coup! Ouais, c'est vrai? Et t'as fait ça au pif! En plus, elle a fait la partie. Évidemment que j'ai fait ça! Non, on t'a pas donné. T'as fait ça au pif!
Mais complètement au pif pendant que vous étiez en train d'écouter les clodos. Je suis sûr que pendant que tout le monde écoutait les clodos, t'as été voir sur internet vite fait la solution. C'est ton chien. Ah, ça pue. Tu veux pas de notre gueule. Il pue ton chien. Arrête bébé. Oh, il pue pas. Attends, j'ai touché le crâne et je sens le chien maintenant. Bah évidemment, tu croyais que t'allais sortir quoi, connard? Elle est pinoute. Voilà, donc je peux ouvrir ça maintenant, j'imagine que ça va filtrer les trucs. Franchement, 380 de QI, mais là je suis à chaud, photo. Ah. Démarre-toi, Adouim, il dit Paco. Oh, Adouim. Il y a des vers de terre tentacules. Alors, pourquoi ça part d'un coup? Oh la vache. C'est dégueu. Oh la vache, c'est quoi? Oh. Ah. Il y a l'endroit où à l'envers. Hein? Casse, c'est pas une cinématique, c'est pas une cinématique. Non. Mais sprint. Je crois que tu peux te retourner. C'est dégueu. Prends les petites plantes avant de sauver. Non. Mais si. Prends le petit cactus. Je suis sûr qu'il bosse avec. Je suis sûr qu'il bosse avec lui. Prends le cactus, ça pique. Elle bosse avec la créature. Pique pas, t'inquiète pas. Ouf ta mère. Mais ouvre. Non, c'est bloqué. Bah passe par là maintenant. Mais je vois. Ah, c'est ouvert. Ok. C'est pas par là. Gauche. Non, saute dans le trou. Saute dans le trou. Hop, tout droit. Je serai à l'abri dans ce labyrinthe. Avance. Oui, bah toi au moins t'es au sec. Ah ouais, moi alors moi je serais pas trop passé par là. Ouais. Ok, on peut peut-être discuter. Pause. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Attends, je peux peut-être te filer un truc. Non. Ah, regarde ma montre. Non. J'ai une super montre. Attends. T'as mis un petit cactus. Tu veux? Je sais pas quoi faire. Tu crois qu'il est planté? Je sais pas. Moi je reste là pour toujours. Non mais par contre c'est pas le même, on bouge pas. Attends. Ah mais c'est là. On l'a trop baisé. Non, voilà. Je vais claquer. Ah vas-y, appelle le 115. Non. Ça fait 2 heures, j'ai appelé le 115. Non. Ok. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en discuter, d'accord? On peut peut-être en parler. Ça se trouve, on a les mêmes motivations. T'aimes bien Mars, j'aime bien Mars. Oui, il fait floc, mais t'as vu sa gueule au pauvre. Vite. Une grosse sourire. Mais tu peux pas courir, là, ça me stresse. Cool, hein. Je suis au max, là. Je suis un nerd, hein. Je suis pas Usain Bolt. Par là-bas. C'est pas par là-bas, c'est par là. Regarde en l'air. C'est pas par là. Oh non. Nine. Qu'est-ce que je dois foutre? Ah, c'est là? Là. Ouais, tu m'avais dit regarde en l'air en plus, oui. Mais j'avais pas regardé. Ah, c'est en l'air. Cours droit. Je peux pas regarder derrière moi en plus. C'est pas par là. Oh merde. Yes. Orange, non. Ah, là. Non, pas là. Merde, c'est pété. Il est où? Je crois qu'il est pas rentré. Je crois qu'il est pas rentré avec moi. J'entends des flics flouques, mais je sais pas si c'est positif. Cours, Michel. Oh, c'est chaud, michetons. Et je vais enlever en... Comment on dit? Ok. C'est bon, je suis sorti de la serre. C'est bon, je suis sorti de la serre. Creature in the greenhouse. It tried to kill me. Do not return to base. Ah, tu rigoles, Joey. Oh, je vais rester là. Ça drop pas mal, il dit Spider. Ça drop pas mal. Et pourquoi ça drop? Non, il y a rien qui drop. Mais non, mais c'est la connexion. Mais j'ai l'impression que c'est le CPU qui a pété un plomb. Parce que t'as vu, ça ramait pendant le truc et tout, donc. Je dois aller où? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir? Ah ouais, je dois sortir. C'est bien sortir. C'est bien, je suis sûr qu'il peut pas me suivre. Prends la petite voiture. Ça lag de ouf, ouais, je suis désolé si ça a lagué, je peux pas vraiment faire grand chose. Ah, t'as vu, il paniquait. Ouais, il était en train de paniquer. C'était marrant, c'est bien foutu. Ok. Imagine, il suit dehors, non. Pas possible. Comment ça se fait qu'on rame tous maintenant, là, quand on stream? C'est pas possible, ça nous faisait pas il y a un moment, ça. Ils ont peut-être des problèmes en ce moment. Mais non, ça vient de nos CPU, ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Clic, elle est où? Ouais, on se casse. Je crois qu'il peut respirer sans masque. Non. Là, t'imagines, tu le vois sortir là. Il pète une porte. C'est bon. Alors, je n'oublie pas. Ah non, ici, y a pas à rétablir. C'est bon, on est bon. Allez, on se casse. Vas-y, ressortez la vieille image, ça lag. Ça lag. Et on se casse. C'est toi qui pilote?
Ah ouais, tu pilotes. Mais c'est toi qui pilote, c'est moi qui pilote. Ça m'a stressé le passage avec le monster là. Hein. Ouais, enfin. Quoi ? Non, non, fais pas genre. Non, j'allais dire, ouais, on va encore le revoir après, de toute façon. Hein, donc, Ah bah là, oui. Enfin, parce que tu souffles, genre c'est fini, mais. Attends. Ouais, mais là, pour l'instant, ça va quoi. Pour l'instant, on est plutôt tranquille. Je trouve pas que ça fait super que ça. Je trouve que t'es. On est où là ? T'es facilement impressionnable. Oh, des panneaux solaires ! On est de retour aux panneaux solaires ? Ça me fait peur ça. Faible. T'as peur du futur. C'est puis bon. Quand il y a le monster, je peux pas rien manger. Allez, c'est reparti pour une bonne demi-heure de puzzle. À base de batterie bizarre. À base de pop, 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 pop. Oh. Saint Seni style. Putain, j'ai utilisé 12% d'oxygène juste à ramorler quoi. Et hop. Vraiment du gâchis d'oxygène pour le coup. Hein. Tac. Ah, il s'est calmé. Non, là, il est détendu là, ça va là. Là, on est tranquille là. Il vient de voir un putain de monstre dans sa serre. Il en. Referme la porte. Tu vois, je vous l'ai dit. Allez, on retourne là. Un monstre aux plantes et un cas social, belle soirée. Ah, et Poon, c'est quoi? Je peux même pas. Ah, mais ils ont. Ça a tout viré en fait. Non? Bah, sors par devant dans ce cas-là. Intelligent! Allez, on se casse. On se casse. Il est malin, l'animal. Oh, ouais, j'ai lu, c'est. Merde. Et c'est même pas le même. Oh là là. Ouais, va dans l'autre direction. Je vais dans la lumière. Le bruit de la porte m'a fait peur. Non, mais c'est bon, c'est pas inquiétant. Regarde, il y a le rocher du roi lion. C'est l'histoire de Michel! Du coup, ça va. Oh. Oh! Énergie renouvelable à 1 euro. Une panneau solaire ou panneau solaire? Merci beaucoup, énergie renouvelable. Merci, EDF, GDF. Merci beaucoup. Ça. La grotte de la. Ah, et bah voilà, enfin une petite grotte de la folie. Mais la vraie question, c'est thermique ou photovoltaïque? T'es pas obligé de me taper en plus. Hein, mais... Oh, j'aime bien ça. Oui. Oh, oh. T'as pas ton. Bah, non, mais je crois que je suis littéralement en train de devenir taré en fait. Ah oui, j'aime bien ces formations rocheuses là. Ouais, j'aime beaucoup. C'est dans mon top 3 des formations rocheuses préférées. Avec le bismuth. Le bismuth. C'est beau le bismuth. C'est joli. L'orbe réagit à ma main. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? On dirait la fin de The Forest. Oh! Il vient de là l'artefact. Oh là 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 là! Ça, c'est Lovecraft de ouf par contre. Hein. C'est pas. Et du coup, si je rappuie, ça fait un autre. C'est juste un interrupteur du futur en fait. Scrut? Non, tu peux scrut? J'ai rien voulu scruter. Merde, je peux plus scruter. Vas-y, mets ton doigt dedans. Oh, l'Irlande! Mais le mec, il a pas de gants. Non, mais il hallucine, le mec. Il est en train d'halluciner. Soit ouvert un petit peu, Jay. C'est bon. Oh, c'est quoi? Fait... Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je te scrute, je te scrute. Ah, t'as vu, il y a des poutres de. Pourquoi je vois dans le futur? De mine. Ça a fermé ça? Ça a fermé quoi? Ça a fermé derrière toi. Non, c'est bon, j'ai éteint. Non! T'as vu les poutres? Ouais, c'est oui. On dirait une mine. Ouais, on dirait une vieille exploitation minière des années 60. Des années 30 même. C'est quoi, je peux scruter ici? Ah! Oh là là! Ça va tomber sur un Ergi orange, ça va chier en spray. Franchement, ça me ferait plus chier de tomber sur un Lunastra qu'un Ergi. Hein. Mais je suis d'accord. Ça va chier en spray de toute façon, hein, t'inquiète pas pour ça. Hein. Ouais, c'est un monster. Hoffman, il se passe quoi, bordel? Je suis pas. Mais t'inquiète pas, Scolar, on est fou, on est dans une grotte, et c'est fou de ouf. Et voilà. C'est bon, ça drop pas d'ailleurs là. Jetez un oeil sur le chat hein, pour savoir ouais, quand ils me disent quand ça drop. Ouais. Ça, on peut rien faire. Parce que. Bah non, mais si c'est vraiment trop chiant. Pour 3 hommes. Oh. Si c'est vraiment trop chiant, j'arrête l'enregistrement en fait, parce que ça me pique un petit peu de CPU aussi. Oh là 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 là! Où suis-je? Le sommeil n'a pas de domaine propre. Qui... Je t'emmerde déjà. Qui pourrait imaginer les terribles merveilles nées de mes efforts secrets? Ceux qui dorment me récompenseront-ils? Choisiront-ils de me punir? Mentis seulement, remarquez. Non, on était en train de lire un truc. Je me souviens de quoi? C'est quoi? C'est quoi cette connerie? Il aurait même fait chuter 43% de la production d'énergie solaire.
Les éoliennes prennent le relais. C'était c'est quoi Skazer qui avait joué un jeu de merde. Ah, ça m'a lancé, j'ai l'impression, Internet Explorer quand je clique directement là-dessus. Tant pis, hein. Ok. Les enfants de Mars... Merci d'ailleurs, Skadan. Les enfants de Mars vénéraient une entité dont le nom se traduit grossièrement par machine immaculée. Ces orbes sont des artefacts de ce culte mystérieux. Ils sont imprégnés de cette lumière céleste qui les alimente, l'anima. Oh là là. Elle repousse cette même, mais aussi le fluide mystique des rêveurs. Eh putain, mais attends, ça va, oui. Que les ignorants appellent la pourriture de Nergal, la semence du ver noir, ou encore la souillure. Oh la vache. On dirait un surnom du banner. Ouais. La souillure. Je vais même reprendre ce dernier terme, car celui qui l'entache véritablement l'esprit, il inscrit les textes illuminés qui se tortillent dans le tome ridé de nos crânes, tel une muse perfide. Ouais, Lovecraft, en fait. Mais mon esprit est saturé, une page entièrement plongée dans l'encre est aussi vide qu'une page blanche vide de sens. Folie. Les efforts nécessaires pour écrire sont... Mais si je pouvais repousser la souillure, même légèrement, si je réussissais à regagner un peu plus de mon esprit... Ça va pas quoi ? Il m'a regardé. Il a l'air perturbé un peu parce qu'il se passe. Je serais plus à même d'exploiter ses pensées surnaturelles. Je pourrais réaliser des miracles que ni l'argile humaine, ni les rêves liquides des dormeurs ne peuvent accomplir séparément. Les orbes sont corrompus, mais je peux les restaurer. On dit pas une orbe ? Non, les orbes, c'est bien. On dit un orbe ou une orbe ? Une. Je crois que tu peux dire les deux. Moi, je dirais une. Je dirais un, très moi. Très Lovecraftien. Hein. Ah bah, regarde la table, mec. Et moi, j'ai une question. Oh qui a allumé la bougie ? Casse-toi, chut. Hop, zoom, allez, hop, zoom, chut, pfft, allez, va te coucher. C'est, voilà. Ça, c'est ça la souillure. Méchant Snake. Non, je sais même pas ce que c'est. Tu vois, non, mais qu'est-ce que j'ai dit? On dirait Paco, quoi. Tu vas te coucher. Tu t'es retourné, il sort de ce lit. Tu te couches. Couche-toi. Mimi. On fait le genre. C'est incroyable, ça. Je suis sûr qu'elle revient. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Je suis sûr que... Shit. What is that? Elle revient. Je te vois, hein. Je te vois, hein. Non, mais... Mais il est pas méchant, il veut juste regarder. Pourquoi je suis en train de faire quoi, là? Ah, je suis en train de... C'est un copain. Pleine puissance. Pleine puissance. Cerveau en éruption. Regarde, t'as l'eau, t'as allumé derrière. Ça aussi? Ouais. Ah... Je pense que t'en as peut-être... Il est juste sur ton épaule, le truc. Oh. C'est... J'aime pas trop, par contre. Au début, on rigolait un petit peu, mais je rigolais un peu moins. Il y en a une troisième. Ah oui, mais elle est pétée, celle-là. Te retourne pas. Elle est pétée, celle-là. Ah non, ça marche quand même. Casse-toi, tu me... Eh mais il me stresse pas. Il me saoule, ce truc. C'est stressant, mine de rien. En plus, il a des petits champignons sur lui, là. Bip, bip. Parce qu'il fait pas de bruit. Tu crois que c'est ça? Tu peux regarder le truc, quand même Oh là là. Casse-toi. Et pas en confiance, hein. J'ai l'impression qu'il manque... Mais casse-toi, tu veux bien que je te regarde, là. Il va me saouler ce truc! Mets-lui une pichenette là, je sais pas. Ah, placez-le. D'accord, ok, il faut que je trouve une orbe. Allez, casse-toi, pas le temps là. Casse-toi. Oh putain, il va me chercher ici aussi en plus. Et du coup, à cause de lui, j'ai même pas le temps d'observer. Non, c'est bon, il vient pas, je crois. J'ai même pas le temps d'observer le level design et je le trouve super stylé en plus. Regarde! C'est pas beau ça, regarde! Non, non, c'est pas lui. T'es sûr? À mon avis, il va pas venir jusqu'ici. Et je pense qu'il doit avoir un path. Et non, pas du tout. Alors, par contre, non. Casse-toi. Mimi. Casse-toi, Snake. En fait, il veut juste un câlin. Ouais, bah c'est pas chez moi qu'il va le trouver. Moi, je veux lire des trucs parce qu'ici, ça, c'est Lovecraft de ouf, ça. C'est weird. Tu sais, pendant que tu lis, il s'approche. Non. Ça me tendrait. Ouais, moi, je me serais mis de l'autre côté de la table. Où suis-je? Le sommeil n'a pas. Encore, moi j'ai lu. Je m'appelle. Je suis toujours sur cette planète. Du calme, je vais mettre ma méthode par écrit pour la prospérité. J'ai pris l'orbe vermiculé. Vermiculé. Va te faire vermiculer. Et je l'ai chargé à l'aide de la machine que j'ai assemblée à partir des plans martiens. L'anima surchargé a brûlé la souillure, ça a marché. Mais seulement pour une courte durée. Le pic d'anima retombe rapidement, ce qui permet à l'infection par l'agent pathogène du point zéro de reprendre. Et si je plongeais dans un de ces bassins? La théorie est solide, je vais réussir. Ça m'a fait peur. Ah là 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 là. Merci Bangalore Barbossa. C'est Foxilou, il y a le rejeton des étoiles au bout. Oh putain, pas lui. Tu te souviens du rejeton des étoiles? Oui. De... Il s'appelait quoi? Ur. Il y avait Ur quelque chose, je crois. À un moment. On le rushait au bout d'un moment, celui-là. Ouais, on l'enculait. Alors... Où suis-je? Mais il fait chier avec ça. Aujourd'hui, j'ai vomi de dégoût face à mon propre échec. Et ce que j'ai vomi a essayé de m'en s'enfuir en rampant avant de regarder d'un air implorant alors que je le tuais. Du calme. Tu es une scientifique, n'est-ce pas? Ça existe pas. Donc, il est doté d'ovaires. Il n'y a pas d'échec, seulement de nouvelles données à analyser. Voilà, bah c'est ça, c'en est une, ça, non? C'est un ovaire?
Les aubes sont détournées de leur fonction première par les fréquences sifflantes de la souillure. J'ai donc ordonné à la semence du ver noir de les quitter. Mais elle est têtue. Elle refuse d'abandonner les galas de son ennemi. C'est une source de lumière, dirons-nous, mais jamais. Non, ok. Bon. Il est juste dans son dos. Top. Regarde la petite pute là-bas. Fuck off. On dirait la vidéo du mec avec le chat là. Ah, c'est ça qu'il faut que tu mettes là-bas. Ah, il a créé énorme. Comment tu sais? Ah, le mec, il a complètement intégré tous les systèmes encore. Oh, ma cicatrice recharge plus cette orbe, c'est pété. Moi, je serais encore en train de me dire, ils sont où mes Twix? T'es là? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pire qu'un chien. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu vas te coucher. Et Kald, il a dit que c'était un ténia. Tu vas te... Ah, putain, la vache, t'es bien malade, poteau. Hein, parce que celui-là, il doit t'en bouffer des bouts de l'estomac. Hein. Ah, tu te couches. T'inquiète pas, Pounce. Il me stresse. C'est bon, c'est vrai. Corruption. Ah, c'est bon? Et là? Non, mais tu peux pas genre faire comme les autres avec ta main, là. Magique. Déjà, attends. Casse-toi. C'est quoi son petit nom, lui? Gibboug. Gibboogie? Ah bah non. Il fallait juste la charger? Peut-être. Mais non, lance-la! Ah oui. Attends, c'est un nouveau marqueur. Attention, j'ai une orbe. Et j'hésiterai pas à me... Attention! Peut-être il faut la remettre là-bas, non? Je pense. Dans le cul, je pense. En plus, je suis obligé de scruter, tu crois? J'ai l'impression que là-bas, c'est juste... Si, il parlait de la recharger. À mon avis, il faut la remettre là. Tu crois? Parce que j'ai l'impression que c'est juste le piédestal avec lequel il l'a créé, en fait. Je suis sûr qu'il est juste dans son dos. Ah, bravo! Putain, il est là! Non, il est pas là! C'est pas le détail! Il est au coin là! Ah non, attends! Non, c'est une lampe, C'est une lampe en forme de ténia! C'est une lampe qu'il y a depuis le début! Il est juste derrière! Il va être là, regarde! Hé, t'es où? Il me fait rire! C'est juste que ça fait 150 ans qu'il a pas vu d'amis! Bah, c'est ça, il sent seul, le pauvre bébé! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tapes ton chien? Mais je tape pas mon chien, il m'a baillé dans la gueule, il pue de la gueule, je repousse l'air! D'accord, oui, t'as bien pourquoi fait! Pourquoi t'as des. Ah, ah, quoi, ah, pourquoi, ah, t'as fait ça, ah, pourquoi ça fait ça? Pourquoi je suis. Non, je veux pas. Je suis Rital et je. Je suis Rital et je le reste! C'est quoi ici? Ah, il faut une orbe! Ils font chier avec leurs orbes! Ça se résorbe ou ça résorbe? Ça se résorbe! C'est trop marrant ça! Là, il va me suivre jusqu'ici quand même! Mais non! Oh non, mais oh, ça m'étonnerait. Mais c'est pas, t'as vu le signe qu'il y avait là? Venom 2018. C'est pas le fisc. Ça, ah, c'est mon... Des cercles. C'est, bah, c'est des cercles. Violence animale, j'appelle Si Shipper. Oh, c'est des connards en plus, Si Shipper. C'est les mecs qui envoyaient des canons à eau sur les navires japonais là? Entre autres. En même temps, quand il s'agit de tabasser du japonais, je trouve qu'ils font plutôt du... Enfin, ils font pas un boulot top top, mais je veux dire, il y a pire, quoi. C'est un peu plus facile. Faut que tu remettes une orbe, là. Ouais, en fait, il faut que je me balade dans le labyrinthe, là, et que je récupère cette orbe-là, je pense. Enfin, il faut que je charge une orbe. Pour la... C'est normal, ça arrive que les portes se ferment. D'accord. Allez, on lit. Allez, le sommeil... Aussi, le sommeil n'est pas domaine propre. Qui suis? Est-ce que j'existe? Personne n'existe. Tout seul. Attends, j'entendais. Ouais, il y a le petit dégueu, là. Il est où? Non, bah non. Tu veux que je fasse le bruit du petit dégueu dans ton dos? Bon, on s'en fout. Alors, ma mère me faisait peur avec des histoires de sorcières, surtout celle de Jenny la malfaisante. Ah, c'est la meuf de Le Monde à la main, à l'envers, qui a tiré les enfants dans une mer pour les dévorer. Une mer. Et ma mère n'a jamais existé. Ah, je pourrais être Jenny la malfaisante ou Jenny plutôt la souillure. Hey. Pour 10 balles et tromper le tuyau. On l'appelle desktop. Je vais donner les pires cauchemars à ces astronautes. Je me demande si la lueur si belle de cet homme pourrait les attirer. Je pourrais alors être le sourire carnassier sous la lanterne de la Baudroie. C'est joli comme analogie, en tout cas, le sourire carnassier sous la lanterne de la Baudroie. De la Baudroie. La Baudroie. Jenny Hallyday. T'as vu, je suis bien le hibou. Ouais. C'est vrai que ça fait ça, un hibou. Exact. T'en as vu des hiboux, toi, non? Jamais de ma vie. Plein. Je sais pas quoi ça ressemble. Il est chargé, là? Mais pourquoi elle était posée, là? Tout à l'heure, j'étais au jardin des plantes là-bas et t'avais une petite poule d'eau. C'était ridicule parce qu'elle avait des très longues pattes et quand elle courait, ça faisait. C'est vraiment dommage que eux ils aient pas l'animation d'Adou. Qui imite la poule d'eau. Merci, merci Foxy. Je crois que du coup c'est toi. Je fais très bien la poule d'eau. Mais c'est joli comme animal. Avec des fèves. J'aurais pas dit forcément joli, mais. Franchement, ça va être bon. C'est mimi une poule d'eau, non? Ouais, voilà, c'est mignon, tu vois. Mais là, elle avait des pattes super longues, c'était rigolo. Quoi, une poule pleine d'eau?
Oh, il est parisien, lui. BHL, ouais. Il a jamais vu ça, lui. Il a jamais eu une vache de sa vie, à part sa mère. Ok, alors. C'est quoi, ça clicote? Pourquoi c'est, tu clicotes? Non, c'est le petit gluant qui arrive. C'est quoi? Ah, ça me fait peur, j'ai un champ de vision tout pourri, je vois rien. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Je peux aller sur ça là? Oh oh non, ça fait pique, ça fait pique. Ça pique les yeux de ouf. Ça d'accord, faut que je scrute ça du coup. Bah ouais, non, il me faut une orbe encore. Il y a quoi sur le tableau? C'est la sorcière? C'est pas la sorcière que t'as vu tout au début? Non. Si. Non, c'est un genre d'homme. Ça l'a fait. C'est un genre d'homme rat. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Ont le goût du crabe. Mais ce sont mais des ce hommes. Ce sont des hommes. Waouh. Hein. Dans cette caverne impossible où il y a des tentacules, cette lampe m'a vraiment fait peur. Oh salut coucou. Y'a Pipou. Oh là là, c'est Pipou, mon bébé, tu es si doux. C'est quoi la chanson des trois petits chats? Oh là là, non, trois c'est... petits chats, trois vilains petits fripons, l'autre nuit sans un se bruit. Se sont introduits et dans mon siphon. Tu es mon chien. Depuis, je les suis jusque chez le russe et je fais du jujitsu. Waouh, ça m'a pas du tout fait peur. Non, je sais pas pourquoi, mais ça a pas du tout marché. Non, c'est bizarre, non? Ça m'a rien fait du tout, quoi. J'en ai rien à foutre. Active-la vite. Elle est meuf, elle est coffre, vol, RER, bah déjà, quand il y a bah, du violet, il se passe pas. Là, il faut que tu suives le gros truc illuminé. C'est au Seychelles que la vie est belle, la 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 la. C'est au Seychelles qu'il y a du soleil, la 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 la. Si t'es pas bien, si t'es chagrin, la 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 la. C'était quoi? Où ça? Là-bas? Ah non, soit c'était le mec. Tu sautes parce que t'as peur. Ouais. Mais ouais. Non, j'ai pas trop peur en mode, c'est juste le mec là, il m'a un peu déçu. J'étais vraiment le jumpscare, genre bouh. Jérémy Morvan qui apparaît. Bouh. Oh, la porte elle a bougé, putain, train fantôme. Mais les petits pips qui nous suivent depuis tout à l'heure, ça par contre, j'avoue, ça me met pas très très bien en fait. Non, non. Plus que le reste en tout cas. Je peux pas la foutre là? Non, faut la charger avant. Ah, il faut la charger sur un autre piédestal. Mais oui. Ah, Poon, je suis. Oh la pourquoi merde. Il y a des tentacules qui sortent des yeux. Ce que j'aime bien. Y'a Casper, la vie de ma mère. Allez. On fait encore une vingtaine, une trentaine de minutes. Et bah, ensuite, on passe à la suite. J'ai envie d'essayer l'autre jeu. Y'a pas un truc au long du couloir, là? Non. Je sais pas, ouais. Ah, mais le piédestal. Mais oui, toi aussi, t'as cru que c'était le mec de tout à l'heure. Connerie, ça. Connerie. Bah, non. Quand tu commences à faire boue, c'est que t'as peur. Boue. Boue. Boue, boue, boue. Ben rien. Tu sors. Le setup mine, maison de campagne marche moins bien que la station martienne, ou c'est moi? Je sais pas. Marche moins bien que la station. Mais je sais pas, je pense qu'il essaie de nous montrer un petit peu un truc. Bah, la Lovecraft, impossible, non-euclidien et tout ce bordel. Le problème, c'est que du non-euclidien à faire sur Unity, c'est chaud. Enfin, je sais pas si c'est l'Unreal ou quoi. J'imagine que c'est l'Unreal. Ouais, une énigme. Oh, c'est bien les énigmes. J'aime bien, moi. Le jeu avec le peintre, là, je trouve que ça passe assez mou ou mieux. Layer of Fear? Oui. Ouais. Il était. Bah, tu marches pas, toi? T'es pas. T'es pas. Tu t'es cassé l'ordre. Mais non, parce que. Il est pas alimenté, faut que je l'amène ailleurs, en fait. Mais non, regarde, en fait, c'est parce que lui, là, il ouais. marche pas. Ouais. Et du coup. Faut que t'aies. À mon avis, tu devrais prendre l'orbe. Ouais, bah, tu ouais, dois la ça. Prendre, activer l'autre. Il n'y a pas une autre à gauche, là, juste derrière le. Attends, à droite? Derrière ça, il y a un truc qui. Tu peux pas. Elle est déjà active celle-là, non? Ouais, elle est activée celle-là déjà. Et du coup, c'est pas faut ici? Activer celle-là. Ah bah oui, c'est celle-là en fait. Non, c'est juste ça à faire en fait. Faut que je la foute là. Putain, j'ai la chanson des. Trois petits chats des aussi. Ouais. Ah. Moi j'ai trois petits chats et j'avoue que c'est pas une réussite. Deux, trois petits chats. Et bah? Bah active. Non. Tu peux pas? Il veut pas. C'est quoi ces bruits là? Il me met des bruits dans mon dos et j'aime pas. Alors faut que tu la poses maintenant. On a cassé l'orbe. Il faut pas que tu te charges à gauche. Ou alors que tu le charges. Je vais aller chercher l'autre. Ailleurs. Je vais aller chercher ailleurs. Que tu le charges sur celui-là et que tu le ramènes après. Bah non, celui-là il est pris du coup. Non, sur le pied. Le piédestal. Ouais. Oh. What? Ah, c'est lui. C'est parce que j'ai. Non, il est con. Non, c'est moi, il est con. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque?
Il fait des kickflips depuis tout à l'heure avec son casque, ouais, c'est ça. J'ai mal à l'oreille. Biu, bah. Lui non plus, ah, il marche mais pas. Celui-là, il marche pas non plus, putain. Et tu peux pas y aller là-bas? Mais c'est compliqué comme jeu. Mais tout est pété? Non, mais derrière là. Non, non, ça va me faire mal quand je vais marcher dedans, ça va faire des piques, ah, des piques avec les yeux. Bah, faut que tu cours. Mais non, mais t'es con, c'est un script qui va me buter là. Je peux pas passer du tout, hein. Si là je peux pas passer, c'est je peux pas passer. Hein. Je crois que le mec dehors il est rentré, il a pu se mettre à l'abri. Bah, lui au moins, il s'est chié, je sais pas s'il s'est chié autant que moi. C'est toutes les mêmes les orbes ou si ça se trouve, t'as peut-être inversé deux orbes, genre celle qui était là, faut peut-être la mettre là-bas et je sais pas. Le problème c'est que. Non, c'est les mêmes. Bah, je crois, ouais. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir un système. Tu peux pas te charger avec ta salle de droite? Non, c'est pas moi qui me charge, c'est moi qui charge les armes. Hein. Je pense que celle-là, il faut la foutre ailleurs et au dieu va, comme on dit. Hein. Ou alors le script revenir... est pété. Non, mais tu peux revenir avant ou pas? Là, non, parce que de toute façon, il doit bien servir non. À quelque chose, le piédestal. On le mec, il court comme ça avec ce truc. Bah oui, en fait, il court avec ça devant lui. Bah oui, ça doit servir à quelque chose, hein, mais... Ça te dit de marcher, espèce de sale enculé, s'il te plaît? Et t'as pas une arme qui apparaît là, dans le coin, justement, pour qu'elle active lui, près des trucs qui te font mal? Tiens, pour que ça s'allume là, que ça la charge et que tu puisses aller la poser là-bas. Je vais me faire piquer. Ça pique. Ça, je vais essayer de me balader par là-bas. Est-ce que tu penses que je peux récupérer celle-là? Non, à mon avis, faut que tu charges celle-là sur le piédestal et que t'ailles la mettre dans celle du fond, quoi. Mais faut que t'arrives à la charger celle-là. Mais alors, qu'on a parce rien... qu'en fait, mais oui, t'as pas loupé un truc dans la phase d'avant qui, du coup, normalement, est censé allumer déjà le piédestal là. Mais non, non, mais justement. Non, dans la partie d'avant. D'avant, je sais pas. Attends. Tu peux plus retourner en arrière du tout. Non, non, je peux plus du tout. Hein. Sûr. Ouais, ça, je suis certain. J'ai plus d'armes, très bien. Ah putain, il a une troisième. Ah, mais qu'est-ce mais qu'on est con, c'est incroyable. Il a des plafonds aussi. Alors, il sert à quoi celui-là? Bah peut-être qu'il faut la charger justement sur le piédestal là-bas pour la ramener ici. Ah ouais. Ah qu'est-ce qu'on est con, c'est incroyable. Il doit y avoir un système, bah oui. Ouais, t'es con aussi. Il y avait un système depuis le début, mais on est con. En même temps, quelle idée de mettre ça dans le plafond. Bah oui, non mais... Lovecraft, faut que t'arrêtes. Hein. Bah il est mort. Ah bah voilà, t'as arrêté. Ça on est tranquille. Voilà, c'est bon. Voilà. Attention, patate chaude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le gros verre. À mon avis, il va arriver juste après là. Ça va faire beau. T'imagines plein de verres qui arrivent de partout. Ouais, écoute. Ah, je suis certainement poursuivi par quelque chose. C'est toi? Cours, Oh là là, sérieux? Mais pourquoi ça drop? Il est con quoi? Je suis même pas en surcharge de CPU? C'est quand il apparaît, c'est vrai? Non mais c'est fait exprès, c'est le jeu, il est comme ça. Vous croyez, c'est... Après c'est un jeu indé, il est un peu éclatax. Bon, ça c'est propre de ce côté. Allez, mais avance, pourquoi t'avances tout lentement là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour l'attention. Mais non, même pas, mais depuis tout à l'heure je sprint, hein! Peut-être que tu n'as plus d'oxygène. Ah, non, je suis en train de vivre une. Madame? Oh, elle est bonne! Pas du tout! Pas du tout! Ah, elle est bonne! Oh! Coucou copain! Je vous emmerde? Oui. Ils sont tous les deux sur leur téléphone, je suis tout non, seul face au jeu, mec. Mais non, mais moi j'attends l'autre jeu. Allez, c'est quand la scène de viol? Je sens qu'elle va nous... Ah, c'est un petit côté agonie, là, dans les couloirs et tout. Ouais, je sens qu'elle va essayer de nous foutre une main dans le cul. Hein. Ça se trouve, ça va être bien. T'as vu ses mains? Elle a des genres de griffes, hein. Ça, sur la prostate, mon gars, ça doit faire guilly. Ça va te casser le conduit. Oula! Cthulhu Tagan. Truc de ouf. Fais lui un bisou, ça va la calmer. Elle va faire... Ah! Non, je vous vois pas comme ça. On est amis. Je te vois comme un frère, elle va me dire.
Et mon perso, il va finir par se buter. Oh là, oh là là. What? Le sous-sol interdit. Oh, regarde derrière toi. Moi, ouais, il y a de la foufoune. Oh, c'est comme dans John. Ton chien qui ronfle. Oui. Oui. Oh, attends, j'ai bien fait d'apporter des bouquets. Il est fatigué, bébé. Oh, il y a une tondeuse, eh. Pas top, mais bon. Tout, oh, tout est barricadé. Un truc comme ça. T'aimes pas trop, hein. Non. T'aimes pas c'est trop, cool, hein. J'aimerais bien avoir un écran comme ça. C'est quoi, c'est, pourquoi ça fait... C'est le manque d'alcool. Pourquoi ça fait rigolo? Ah, Dark Room. Knock before opening the door. Toc, toc. Opening the door. Ça, c'est très dangereux. Ouais. À mon avis, il faut l'éteindre. Non, il y a des petites palettes. C'était quoi, ça? Il y a des petites palettes. Il y a un truc à ramasser, là, d'ailleurs. Tu passes sur les palettes. Je pense pas que je puisse les récupérer. Mais non, pas celle-là. Celles qui sont déjà là. Là. À droite. Les petites palettes. Ça, c'est du gameplay immersif. Oh là là. Oh, oh là. Oh, le jeu, il aime pas. Oh, il est pas fait pour. Y a quoi ici? Bah, des photos. Ocean. C'est la Dark Room. Tu vois ma Dark Room? Bonsoir. C'est le plombier. C'est Michetons. Ah. Te mets pas dans le noir. Hein. J'ai pas eu peur. Pourquoi tu me tapes? Parce que j'ai pas eu peur. D'accord. Oh, ça va, c'est du noir facile. Ouais. Enfin, du... Bon. Non. C'est quoi ça? Ah, ah, ça, c'est sympa, ça. Ça, j'aime bien. Oh, oh c'est joli comme tout. It's that thing in the greenhouse. It's that thing. Vas-y, je la prends. Je la prends, je la foutrai dans ma chambre. Tu prends la chose? Ouais. Oh, bah oui. Oh. Il y a des photos coincées. Bah, tire. Ah, il me faut mon... Ah bah je l'ai, d'accord, très bien. Ah, t'as gardé ton pied de biche. Ouais, j'ai mon pied, ouais. Au fur et à mesure que tu changes de dimension, ouais, ouais. Il est tombé de l'autre côté. Mais quoi? Il y avait un truc derrière, je crois, mais on l'a pas vu. Mais depuis tout à l'heure, hein, depuis tout à l'heure, ils me foutent des scripts dans la gueule, mais je les loupe. J'avoue que le coup de la sorcière en mode Alma est un peu décevant. Des murmures un peu flippants avec le verre auraient été un peu plus efficaces niveau frisson, je pense. Bah non, quelqu'un a mangé la photo. Non, mais il est tombé de l'autre côté. Il y a encore ce portrait. C'est toi qui m'as dit qu'il était tombé de l'autre côté, mais pas du tout en mode elle est là. Hein. Ah. J'aurais trouvé ça drôle. Ah, c'est quoi? Une porte non euclidienne. Some sort of fuck. Je sais pas, Michel. Comment ça s'appelle déjà? Oh, quelqu'un me répond. Ah, par contre, j'avoue, ils ont raison de le chat. J'ai utilisé mon deuxième point de talent pour me faire passer sur les palettes. Hein. Exact. Et il en manque plus qu'un, tu feras gaffe. Exact. Ah, ça va, on a bientôt fini, franchement. Encore ce signe sur le truc. Ça doit vouloir dire quelque chose, putain. Une tasse de café. Peut-être que c'est les deux orbites des lunes qui vont se cracher encore sur Mars. Des photos. J'aime beaucoup ces environnements. Ouais. C'est sympa comme tout. Il y a Rossian qui a mis sa tête très très près de l'écran. Non. Non, non, non. C'est juste que je suis concentré. C'est quoi ça? C'est un canapé. C'est les sacs poubelles Vanta Black. Pas Vanta Black. Putain, c'est le bordel. Je la vache, c'est interdit. Ah, je te ferai un coup de ménage là-dedans. Gonzesse. Mais non, mais ça m'énerve de voir du bordel partout. C, B, he, same as the second one. Panic table in laundry room, match atomic with vol number. Number. Carbone, beryllium, hélium, idem que le deuxième. Carbone, beryllium, hélium, beryllium. Tableau périodique dans la buanderie, HEC numéro atomique et numéro de volume. Je peux garder ça? Putain, regarde, le 4, c'est un livre. Ah, d'accord. Oh là là. J'adore les livres, heureusement qu'on termine bientôt. Il est où le tableau périodique là? Elle me dit pas qu'il est loin en plus, quoi. C'est quoi, carbone, beryllium, hélium, beryllium? Attends, il y a la foufle. La fouf, c'est pas un problème. Et j'imagine que c'est de l'autre côté, là où j'ai désactivé la... Ouais. Bravo le racisme, Pounce. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Apparemment, j'aime pas les déchets, je sais pas. Ça fait peur, lui. Il est con, quoi. Arrête! Bah, il remonte pas. Le remonte, malheureux. Il est con, quoi. Il est complètement con. Ok, alors c'est quoi, ça? Oh. Des mecs qui se suicident. Ça, c'est une sortie. Ça c'est... Ouais, c'est... Donc c'est Manticore et on dirait que c'est le vaisseau... Tu peux à nouveau remonter le truc? Quoi? Le singe là. Tu peux remonter Jamel Debbouze? Et je dirais rien, franchement je dirais rien mec. Je dirais rien du tout, voilà. Mais non c'est pas lui, il a deux bras. Ah il est là le tableau périodique. Ouais, je vais même pas relever ce que tu viens de dire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ça?
Il y a encore un mec qui tape au blazer. Le temps n'est pas linéaire, ou peut-être que si, il pourrait que ce soit un disque plein, une simple boîte de pétri manipulée par des doigts gigantesques et nous sommes les bactéries. Pourquoi pas, je vois sans doute des choses en dehors de mon propre temps, ça complique ma vie familiale. Je me suis enfermé au sous-sol entouré de papiers photos et de produits chimiques. J'arrive à donner forme à mes visions, je peux protéger ces vues de l'esprit, je vois un vaisseau spatial faisant route vers la planète rouge. Ah mais regarde, il y a des... Attends, est-ce qu'on va les revoir au-dessus des toits? Attends, vous... Ah, il y a des feux d'artifice. Ouais. Pourquoi? Ah, c'est à Toussaint. Enfin, c'est pas encore aujourd'hui. Non, c'est pas encore là tout ça. Non, c'est pour Halloween. Ah, il y a un mec qui rentre. Ça m'a fait peur, j'ai vu une lumière rouge, je me suis dit, ça y est, on va tous claquer. Encore? Ça y est, on va tous claquer. Par contre, le mec, il se pose un peu trop de questions, hein. Moi, ça me rendrait dépressif un peu, tu vois. En plus, il a remis ça, histoire qu'on se gourre pas. Alors, carbone. C'est 6, je crois. Non. 6. Beryllium. C'est où le beryllium? C'est ici. 4. Hélium, c'est 8, je crois, non? Pas du tout. Hélium, 2. 6, 4, 2. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. 6, 4, 2, 4. Je crois que c'est ça, hein, 6, 4, 2, 4. Je me suis... On s'est pas gouré. Mais ça serait pas chelou qu'il y ait deux fois même. Non. C'est... Justement, il dit non. Same as the second one. Ah. Alors, 6, 5, 2, 5. 6, 4... 6, 5, 2, 5. Bah, mais... Hein? Mais, il y a déjà des trucs de tirer. Mais je fais quoi, là? Attends, mais il y en a 6, des nombres. Ah, mais d'accord. Quoi? Tu t'es gouré. Ouais, j'ai l'impression, hein. C'est quoi? C'est 3, donc il faut faire un truc à lire. Ouais, je l'ai lu tout à l'heure. Mais putain, je l'ai lu tout à l'heure. 6. 4. 4. 2. 2. Et 4. Et 4. Open sésame. Oh, c'est totalement qu'est-ce... improbable. Oh la vache. Ça bouge. Ouais. Qu'est-ce que c'est ces emmerdes là? Vas-y pas sinon. Mais ta femme, allez go. Ta femme est au courant? Oh. I remember her being an eccentric, but... C'est marqué Yulupetepet Coca Urlucadistuls. Tu lis le Cthulhu, hein. Donc bah ouais, bah écoute, j'ai fait ça au collège, donc j'ai les restes. Un truc sur le tableau. 13 heures. Enfin, quand tu dis un truc, tu sais très bien. Tu sais très bien, tu sais très bien. Une énorme bite. Dessine une bite. Regarde, ça se trouve, tu peux. Non, je peux pas, c'est même pas les tableaux blancs. Mais non, pas là, derrière. Ah oui, aussi. Là. Dessine une bite. Je suis sûr, tu peux. Oh, je peux pas. Je suis hyper triste. Là, je suis désolé. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ces conneries? Ah. Faut les mettre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a dit sur le truc? Faut les mettre dans l'ordre avec le numéro. Et ouais. Ça va être marqué là-dessus. Il y a pas d'éclipse solaire sur Mars. Phobos et Deimos sont bien trop petites. En revanche, les éclipses lunaires totales de Phobos sont lues presque toutes les nuits. C'est terrible. Jumelles ne se comportent pas comme notre ligne. Phobos se lève à l'ouest et se couche à l'est pour apparaître à peine 11 heures plus tard. Deimos se lève plus paresseusement à l'est. Les deux satellites sont synchronisés et présentent donc toujours la même face de leur planète. Elle ne se détourne jamais. Elle scrute Mars inlassablement. Phobos suit Mars de près. Son orbite décroît lentement. Un jour, elle finira par s'écraser sur la planète rouge. Tout porte à croire que Mars et de nombreuses autres lunes, que tous ont subi le même sort. C'est exactement ce que je disais sur que ça, que les deux, ça là, le symbole, c'était les deux orbites des deux lunes. Et qu'elles se crachaient toutes les deux sur Mars. Moi, je pense que tu mens et que c'est juste deux cercles. D'accord. Bah, c'est peut-être ça aussi, hein. Leur fluide onirique, non, ça me casse les couilles. Non, je voulais lire le truc mystique à la fin. Franchement, vas-y. Non, vas-y, lis. Non, bah non, bah non, non, c'est toi. Vas-y. Yashaftgu. Schlag. Yashafschlag et Yashafschlog. Yes. Ah, c'est Yashafschlag et Yashafschlog qui sont sur un bateau. Bella ciao. Ah oui, donc c'est clairement que Toulouse en fait. Les rêveurs sont aussi parents, enfants, et. Même la mort, cesse la mort, ou je sais pas quoi. Bah, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais c'est non, pas mais t'as. Elles sont datées les photos, t'as qu'à les mettre dans l'ordre. Ah, dans l'ordre chronologique? Bah oui. T'es con? Si c'est ça, j'ai utilisé un point de compétence. Voir 13. Oui, c'est ça, t'as raison. Puis, eh. Tac. Malin la guêpe, hein. Malin la guêpe. Oh là là, je t'ai dit, on va tomber sur le rejeton des étoiles. Bah là, oui, la force. Franchement, j'ai l'impression. 8h55, on a vu Barbara Streisand. Oh, elle a changé. Pas tellement, non. Si, la coiffure, peut-être. 3, donc c'était 12h24. C'est très perturbant, les photos. On s'y fait. 4, 12h57. Et heureusement que c'est l'heure européenne, parce que l'heure américaine, je me serais... Nique ta race, hein. Putain, il y a encore l'effet bizarre sur les coins.
C'est parce que notre perso est en train de claquer. Voilà. Et j'espère que c'est ça. Tout le foutu le get de plus. Waouh, ça ressemble à ceux sur l'hôtel. J'ai regardé l'hôtel, ça a brillé. On peut fermer ça, s'il vous plaît. Ça m'inquiète d'avoir des portes ouvertes. Oui. Couteau de Fuggies. Oh, le Necronomicon. Oh, oh, j'espère que c'est ça. Devant toi. Non, n'importe quoi. Non, t'es n'importe quoi. La. Mais sauvez-moi, toi. On a 5 ans. On a 5 ans, mec. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois... Y a... Je suis en train de péder. De manière discrètement. Ah merde, vous voulez pas qu'on y touche? Voilà. Si t'avais saché tout étant gamin... Bonjour, mes cacurvilles. Quoi? Mais qui? Oh, comment il a eu peur! Ouais, je regardais le chat, moi, du coup, j'ai pas eu... Moi, je regardais le micro. Eh, vous êtes... Il y a rien à regarder sur le micro. Vous êtes tous des connards aussi, vous m'abandonnez. Oh, une lumière rouge sur le micro. Tu l'avais pas vu? Mais si. D'ailleurs, si j'appuie dessus, on nous entend plus. Mais là, on nous entend. Ouais. Tu voulais dire un truc sur le micro? Non. Vas-y. Ah ouais, ça marche. Vous avez tous flippé, je suis... Ah, mon genou. Sébastien, tu vas te faire bobo. Oh. Pourquoi? Felt like my brain was melting. Ah bon? Those symbols were similar to the ones at the altar. Faut que je trouve un O maintenant. Faut faire coca en fait. C'est facile. Avec un coca avec un K. Il était où le O? Il est pas là. C'était où le O? Et je suis en train de me paumer dans ma cave, les gars. Il y a un étage, monte. Je peux pas, c'est fermé avec des petites boîtes. Des petites boîtes, c'est fini, tu peux plus vraiment. C'est fermé avec des petites boîtes, ok. C'est des petites boîtes de jeux vidéo. Donc, c'est pas possible. Ok. Allez, manque plus que la fameuse phrase « Ne peut mourir ce qui a jamais d'or ». Ouais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, « Ne peut mourir ce qui a jamais d'or », mais moi je me souvenais juste que quand tu pionces, tu crèves. Et de parler sec, peut mourir même la mort. Voilà, waouh. Putain, un truc de fou. Bonsoir, c'est par où? Il me manque un O. Un O, s'il vous plaît, un O. Je peux te le faire, si tu veux. Allô. Oui, mais tu le fais avec ton anus et ça me plaît qu'à moitié. C'est des portes à un genou. Arrête, arrête. Ah. Ah, c'était pas bien. C'était pas bien. C'était pas bien. C'était tellement pas... Oh, un gros souffleur à feuilles. C'était tellement pas hétéro. C'est sympa comme... On dirait une ruche d'abeilles. Mais non, c'est des bases azotées. C'est des liens covalents, bivalents et ambivalents et ta mère. Attends, y a que ça en fait? Qu'est-ce que... C'est quoi c'est moi qui les vois pas ou... Comme cave, hein. Et je l'ai loupé ou pas? C'est vachement grand comme cave. Le mec il est en train de visiter pour savoir s'il va peut-être pouvoir faire un... Vas-y, un remonte au singe. Je peux poser une question mais tu me tapes pas. Vas-y. On peut faire les deux. Pourquoi tu cherches un O? Parce que c'était marqué coca sur le truc. Non, j'ai pas compris. Mais... Mais vous êtes con, quoi. Même ça fait un quart d'heure que je vous ai pas posé la question. Quand t'as dit ça, pourquoi je cherche un O? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec le O? Mais c'est sur l'hôtel. Regarde, le C qu'on a trouvé, c'est le même que celui-là. Coca. Tu comprends? C'est OC, c'est Oka. Oka d'où demande, toi, ce que Katy Perry ferait à ta place. Tu nous casses les couilles avec Katy Perry. Vas-y, change Katy Perry. Do you ever feel like a plastic bag? Oh, t'es fait bien. To... Ah, il y a un K ici. Ah, ça me pique la tête. Ah, ça c'est... Il y en a un sur une caisse apparemment. Sur une caisse. Ouh ah, oh, ah, il est ici. Ah, ah, ah. Il y a deux A dans le bouche. Ouh, ah, ouh. Si, ah, ça doit être entre le O et le... Entre le C et le... Ça se dit beaucoup là-bas, non? Ça c'est un O, je crois. Non, ça c'est juste... Non, c'est une... Là, sur une... Là, ça. Oh. Do you ever feel... Du coup, j'attendais juste des panneaux et pas juste des gravures, c'est un peu ma faute. Je comprends pourquoi tu cherchais des lettres. Like a plastic bag. Mais qu'est-ce que tu fais dans le grenier? Drifting to the wind. Waiting to start. Oui, bah oui. Et vas-y, continue. Mais... Ça se trouve, il y a autre chose. Ah, faut peut-être toutes les regarder en même temps. C'est pour ça. Gros débit. Là, comme ça, regarde. Hop. Non, c'est que le haut, il est pas activé. Hop. Oui. Tu l'as pas regardé assez longtemps. Oh bah merde, Guillaume, mais comment... Mais c'est... Ah.
Oh, il a des trucs incrustés dans la rétine. Et hop, maintenant je les superpose. Ah, Cthulhu, ta gueule. Je vais dormir super longtemps et après tu vas claquer. Cthulhu, ta gueule. Cthulhu, ta gueule. Klaatu, Barada, Orochi. Ah, ah, ça me pique là où j'ai mes marques. Premier tir. Bite Zatosto. C'est marqué. T'as dit quoi? Premier tir. Où ça? C'était le succès. On vient de faire un tir du jeu là? Je sais pas. Je sens qu'il va me saouler ce jeu en tout cas. Il est 22h30. Hein. Heureusement que je l'ai pas acheté. Hein. Quoi? Ah oui. Sabotage de signal. C'est bon, je peux me réveiller dans ma. Ah, c'est bon, t'as fait un petit somme, tout va bien, non? Ah, Twitch. Elle me balançait pas, vas-y, n'importe quoi. Je l'ai acheté en fait et je déconnais. Niveau d'oxygène? Oui, tu ne l'as pas acheté parce qu'on t'a offert. Non, je l'ai piraté. Mais pourquoi niveau d'oxygène nul pour cent là? Parce que tu es encore dans un rêve. Vas-y, sors pour voir si tu vas mourir. Au pire, tu te caches dans un caillou. Tu sais, vers les cailloux là. Tu crois? Où tu te mets en position fœtale puis tu bouges plus jamais. Si, c'est bon. Ah oui, c'est bon. J'étais prêt à mourir sous ma bagnole, mais finalement ça va. Oh, regarde, il y a des cairns. C'est des, c'est ultra flippant. C'est des gens qui ont fait des randonnées. Ça, par contre, ça fait paniquer. Ah bon, des cairns? Pourquoi? Bah, c'est une ligne d'arrivée, regarde. Non, mais parce que c'était pas à l'heure et que des gens, pendant que tu dormais, ont fait ça. Non, c'était à tout à l'heure, mais je suis claqué, c'est tout. Tout le tout, ouais, ça m'a fait peur par contre. Ça te fait douter du fait que je suis en train de rêver. On peut douter du tout, sauf de l'importance de se trouver du côté de celui qui a le pognon. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que j'étais payé? Est-ce que. Faut que je me trouve une batterie? Bah, ouais. Eh, on se calme. Non, ça m'a saoulé. Merci Calamitz pour le sub, merci beaucoup mec, tu m'as pas fait peur, mais c'est gentil. Mais on a mis à l'argent. Do you ever feel... J'ai Katy Perry dans la tête. Ouais, j'ai Katy Perry. Et ça c'est un problème. Mais faut pas que t'encourages Momo dans cette voie, parce que... Ben, j'y peux rien, il s'est encouragé tout seul. Depuis qu'on a regardé The Interview, ça y est, il a Katy Perry on my mind. Il est trop amoureux, le Momo. Il est mignon de Katy Perry. Momo, il est amoureux de Katy Perry. Alors que c'est plus ou moins une pute. Aucune raison. Je peux pas prendre la batterie de mon truc? Ou alors c'est une très très mauvaise idée, vraiment très très mauvaise. Je crois que c'est dire une très très grosse pute. Une très très grosse pute, Katy Perry. Rurukur, Adwinker et Poons et Paco, on s'en fout quoi. Surtout Paco. Ouais, hein. Surtout Paco. Hein. Bonjour le Bruni. Moi aussi je te fais des. Ouais. Qu'est-ce que... Il y a Momo qui veut que tu chantes. Je sais pas. Ah, mais putain. Ah, on dirait Trespasseur. Ah, mais c'est mieux fait. Tu t'es dit quoi, là? C'est mieux fait. Tu vas te faire défoncer. Faut que je... Aïe. Vas-y, il me fait mal. Attends, d'aller voir un code ici, je non? Je préfère vous parce que c'est vous que je regardais sur Deli. Ah, 7357. En même temps, Paco, il n'existait pas à l'époque encore, donc... C'est vrai qu'il n'existait pas. Non, il avait un an. Il avait un an, excuse-moi. Ouais. C'est un petit genou. Je me souviens pas. J'ai dit quoi? 7-5? Quoi? 7-3, je crois. 7-3? 7-3, 9. 5-7? Non, il va à 9 à la fin. Sinon, retourne voir. Non, c'est bon. Ah, vas-y. Ah! Mais je t'ai toujours dit de m'écouter, je déteste ce genre de trucs. Now this is crazy. Who would even write all this? Françoise Dolto, la mère de Carlos. T'es en train de foutre clairement de ma gueule en fait. Bouh. Non. Rien. Dommage. Ça c'est ça le genre de truc qui me fait flipper. Bah c'est plus, ouais, c'est plus ambiance quoi. C'est plus impressionnant plus crédible, que en fait. Juste que juste un, comment on dit, juste un bridou. T'es mort pour moi. Tu me casses les couilles avec tes batteries. Qu'est-ce que je fais? Boum. Non mais tu peux passer. Et on se casse. Alors, de toute façon on va continuer un petit peu jusqu'à la prochaine scène disons. Et puis on passera à l'autre jeu après, d'accord? N'empêche, les tarés dans les jeux ils écrivent super droit. C'est vrai que moi j'arriverai pas. Ouais, je suis... C'est ça qu'on connaît les gens encore plus tarés je crois. Qui ça? Je sais pas de qui on parle. Je sais pas de qui on parle, j'ai pas suivi. J'en ai rien à foutre. Clairement. Voilà. Le prochain jeu, c'est un jeu PS2.
Oui. Aïe. En espérant que lui passe bien, normalement il y aura pas de problème de. Oh. Génial. Qu'est-ce que t'as fait? Rappelles-tu? Mais il est con. Qu'est-ce qui a bloqué? J'ai pas fait gaffe. T'as de la batterie au moins dedans? Oui, sinon il s'allumera pas direct. T'es sûr? Michel? Non mais non, attends, il va pas falloir encore. Oh. Non mais non, il est juste con. On va dire que c'est là la prochaine scène de. Attends, je suis curieux quand même. On va faire le tour. Je suis curieux quand même. Pourquoi attendre la prochaine scène pour le prochain jeu? Simple question. Parce que j'ai envie, simple réponse. Oh mais je sais pas, Michel. C'était hyper flippant. On est pas, et moi ça m'arrive quand je suis tout seul chez WAM que le truc passe en heure creuse. Hein. Oh, des cairns un peu partout. Y a pas d'heure creuse à 22h. C'est joli, bah si. Mais non, c'est plus tard dans la nuit. L'heure elle est creuse après. Et puis il est 22h37. Eh ben écoute, c'est spécial à Nantes, d'accord? Qui sait ce qui fait qui sait. Qui sait qui met. J'annule la blague. C'est quoi ici? C'est quoi? Ah, ça c'est bien. Duo 2. Tu crois qu'il va y avoir un petit bout quand je me retourne? Bouh. Eh, tu retournes pas? Vas-y, reculons. Comment tu niques le jeu? Ça m'était arrivé, je crois, sur un jeu, justement, où j'étais... Non, je crois que c'était SCAD, sur Narcosis, où il savait qu'il allait avoir un script. Du coup, il y allait à reculons, et il avait bloqué contre le script qui était physique, en fait. Et tu voyais ses pieds par terre. Et il fallait que tu te retournes. C'était pas toi, SCAD? C'était en reculant, il reculait, et tac, il était bloqué d'un coup, et il savait qu'il était contre la bestiole, tu vois. Mon gars, la flippe de ouf. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et c'est pas solide, Mars, hein. Ah, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou. Ne saute pas. J'ai envie Pourquoi de me bien piquer. Tu sautes? J'ai envie de claquer. Pour 150 balles, je saute. IRL. IRL. Ce sera le prix des pompiers. Ouais, sur Mars, ça va... C'est quoi la gravité sur Mars? G égale combien sur Mars? G égale H2O. Oh, loser. Y'a rien ici? Non, y'a rien ici. Ah, t'as vu, y'a les lunes. Ça, c'est le soleil aussi. Mais c'est où? Il y en a une là. Une petite patate, on dirait une petite pinoute. Toujours autant pété. Une pinoute dans le ciel. G égale ça, faire mal. Y'a plus de... Y'a plus de gravité sur Mars? Non, y'en a moins. Y'en a moins? Y'en a moins? Je suis où là? J'étais pas là tout de suite? Mais non, c'est nouveau ça. T'as pas vu la grosse tour? Oh, la vache! J'avais pas vu! Non, c'est pas une vache, c'est super marrant. J'avais pas vu la grosse parabole. J'adore les pentes de la mer. Ah bon? J'ai mal aux oreilles. Tu m'en diras tant! 0,379! Bon, voilà. Bah ça va. Hop, c'est bon? C'est bon, je me suis pas gouré. On peut y aller tranquille. Il est drôlement propre son casque pour un mec qui passe beaucoup de dents dehors. Declan, you here? Ouais, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a fait, Declan? Oulah. Ouais, alors là, il y a un petit problème. Les clans? Mais il a écrit à l'envers, mais des clans! Ah, il a pas touché aux chiottes. Kekak, Trollkos. Whispers, Sightings, Buzzing. Oh là! Oh, ça c'est pas top! Oh, ça c'est pas top du tout! La 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 la! Mais il va bien, Declan, regarde, il avait du vomi. Il restait du vomi. T'as vu avec le risque qu'il a fait, il a fait des petits cercles. Attends. Declan, ride of your fantastic adventures. Je m'en fous. Papa, donnez ce journal, une petite boîte. Nanana, aventure fantastique. Fais chier, ok. Fais chier, on veut juste avoir peur, ça marche pas. Ah, c'est vrai qu'il a fait des petits cercles en pilule. Ah, c'est des pilules, c'est des petites pilules. Tu peux sniffer. Il prend plus ses mètres. C'est la merde. Declan? Oh, il a pas touché à son muesli. Mais c'est quoi en fait cette saloperie, je comprends pas. Ça donne pas envie. Ah non, du chocolat. T'es sûr? On dirait des petites carrés. Rondelles de carottes avec des pois chiches. Ça, on dirait du chorizo. Tu crois que c'est un genre de paella sans le riz en fait? Mais avec tout et ce qu'il y a, coup, y a pas trop avec tout la quoi. Non mais en gros tu mets le riz d'un côté et l'accompagnement de l'autre. Ah oui, j'avais oublié que toi t'étais espagnol donc Arriba Arriba. Oh, il a fait un petit chamboule tout. Casse-le. Je peux pas, le jeu est pas fun donc je peux pas. De toute façon, je pense qu'on va arrêter ici, hein. Définitivement. Ouais. On va partir sur le jeu. On n'a rien vu de ouf. Tiens, je vais enlever la batterie ici parce que Nick Saras. Check, hop. Et tu sais quoi, je vais aller dehors. Est-ce que je peux aller dehors? Tu peux mourir. Et je vais aller dehors sans mon cax. Ça
Sur ton cac. Oh. Oulala. Il s'est épué. Ah. Ah, allons mourir. Allez, là, je suis bien. Vite. Do yes. You ever feel like a plastic bag? Meurs avec du Katy Perry. Par là. Meurs avec du Katy Perry. When you start again, do you ever feel? J'ai l'impression que t'es mort du manque d'oxygène en tombant. Mais pourquoi il a explosé alors que t'es en train de tomber? C'est la gravité. C'est Mars. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu, même si en fait, finalement, on s'est fait un petit peu chier dessus. Enfin, non, on s'est fait chier sur le jeu. La deuxième partie, ça va, elle était bien. Mais la première. Je sens que c'est beaucoup de puzzles pour pas grand chose en fait. Non, mais d'accord, mais il y a quand même le moment avec le petit verre là. Ça, c'est rigolo. Oui, ça allait, ouais. Ouais. Ça allait, mais sinon ça manquait de pas grand chose, mais oui, c'est en fait c'est plus ou moins un puzzle game en fait, donc c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. J'espère que ça vous a quand même plu. On va passer vite fait au deuxième jeu. Partez pas, restez là. On vous fait de gros bisous. À tout de suite. Oh, la roté, Pounce. C'était Pounce. C'est pas moi, mais c'est Russian. Ah, la salope. À chaque fois que je suis en stream, Russian il rote, il dit que c'est moi. Mais j'étais en train de parler. Bah moi aussi. Mais t'en as placé en même temps. Mais j'étais en train de parler. Et un petit héros dans la phrase, ça passe. Bon, ah, bref. Elle a dit que c'était Pounce. Allez, bisous les gars, à tout de suite. Tchou. Cassez-vous.